Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour à tous et salut Laure encore une fois parce que je mettais mute. Quelle incroyable transition de naze! Comment ça se passe aujourd'hui? Incroyable. Ben moi, Incroyable. ça va bien, toi? Ça va, écoute, hein, on fait comme on peut. Bonjour, ça va? Salut Sirlois, bonjour aux lurkers ou aux bots qui sont déjà présents. Alors, on va pas se mentir, aujourd'hui ça va être un peu cafouillis, cafouillas, plus que d'habitude ou moins que d'habitude, on va voir. Mais en fait, on a pas mal de choses sur lesquelles on va devoir discuter. Car on peut peut-être faire un récapépète de ce qu'on a fait avant, pour ceux qui n'ont pas été là par exemple la dernière fois, samedi. Ça peut être pas mal. Samedi dernier. Oui. Oui, bah du coup, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait vu un peu le début du code, voir un peu ce que c'était de partir sans rien et partir avec une librairie qui aide un peu le développement. On avait commencé un peu à définir ce qui allait être les data de cartes et de deck, parce que c'est le fondement a priori de ce qu'on aura au niveau de notre jeu. Et du coup, on en était arrivé là, on avait réussi à loader les data. Il nous restait à créer les objets en code pour pouvoir les utiliser. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler un peu ce que c'est les data, tout ça, pour ceux qui ne sont peut-être pas versés dans la programmation de jeux vidéo? Les data, c'est les données de jeu, simplement. Ce que on va dissocier en fait l'exécutable, qui est le jeu en lui-même. Des data qui elles sont l'exécutable va utiliser pour savoir comment se comporter d'une certaine manière. Hello, NewsanFX. Donc Alors. concrètement, là on va partir sur un pattern qu'on appelle du data driven. Donc en fait c'est Alors, du coup, la c'est quoi data ça? qui va guider en fait. Qui va guider l'exécutable. Donc en fait tout va être data à un moment ou à un autre. Quasiment tout en fait. Voilà, alors, le chargement de data est quelque chose d'assez important du coup au niveau de ce projet. C'est pour ça qu'on commence un peu par ça. D'accord. On peut remettre un peu à quoi ça ressemblait les data qu'on avait. Data cards. Pour le moment, on avait défini deux cartes simplement pour le test principalement. On avait la carte héros, en sachant que du coup, on avait défini qu'une carte héros, c'était un nom, une description, un coup, et le héros qui lui est une autre instance, en fait, un autre objet qui existe et qui a une attaque, une défense. Mais avant qu'on continue plus en détail, je voudrais juste demander au chat, ceux qui sont actifs, est-ce que le son pour vous passe? Est-ce Ou qu'on est-ce est que c'est bien niveau mieux? son? Parce que Ulor, de son côté, a réussi peut-être à trouver une solution pour s'augmenter un peu son volume. Donc dites-nous. Coucou Nuzan, j'avais pas vu que t'étais passé. Mon son est un peu faible, bah, dis donc. Et là, ça va mieux? Apparemment, je suis trop fort. Normalement, ça devrait mieux aller. Terrible. Pas très fort, mais ça va. D'accord. Bah écoutez, nous en sommes complètement désolés. Alors, hop, on va passer sur un autre type de son. Hop là. Donc, il y a aussi un autre truc aussi que je voulais voir aujourd'hui, Ulor. En fait, je voulais aussi qu'on discute un peu du jeu et du système en fait qu'on va employer comme gameplay dans ce jeu-là. Car comme vous le savez, on est en train aussi de rédiger le GDD à côté. Alors le GDD à côté, pour ceux qui ne savent pas, c'est en fait la Bible. La Bible du jeu en question. Donc c'est-à-dire tout ce qui va être, on va dire le gameplay en lui-même, l'explication, voilà. Et d'ailleurs, ce que j'avais lu, je sais pas si tu peux me rattraper au vol et me dire que je suis un gros débile, Hulor, mais j'ai vu que c'était une ancienne méthode en fait, que ça se faisait plus trop aujourd'hui de faire un GDD. En vrai, je suis pas gêné, donc je saurais pas dire, mais vraiment de faire une bible complète du jeu, ça se fait.
fait plus vraiment parce qu'il y a tous les corps de métier qui font leur propre doc en fait. D'accord. Qu'on aura en fait la doc qui va résumer un peu tout ce qui est narratif, l'univers, machin et tout ça, qui sera parallèle en fait au game design document qui lui au final est rédigé par tous les GD, donc on a une plus grande segmentation. Enfin, D'accord. on m'arrêtera probablement si je raconte de la merde, mais de ce que j'avais pu voir un peu, c'est un peu plus segmenté que ça n'aurait pu l'être à l'époque. Parce que, en fait, bon, soyons clairs, le GDD qui va être rédigé et qui va être visible aussi par vous, si vous êtes sur le Discord ou quoi, quand il sera fini, on va sauter 2-3 étapes parce que, vu que ce n'est pas un jeu avec de la narration à proprement parler, on va squeezer en fait tout l'étape scénar, vu que c'est quand même juste un jeu de plateau au final qu'on est en train de faire. D'ailleurs, On pourrait faire deux lignes, on pourrait faire deux lignes de scénar, mais oui, mais bon, est-ce que c'est vraiment. Ça va pas être aussi documenté, c'est vendeur fourni. le scénar. Oui, c'est Il y a vendeur le scénar. Oui, des il y aura un studios. scénar. Il y a un scénar, c'est bon, on a compris, merde! Pas de problème! Je vais le faire, le scénar, ça va! Commencez Coucou le pas! Gatcat. Salut, Gat-Gat! Mais non, non, en fait, pour être tout à fait honnête et précis, je dis ça parce que, en fait, j'ai eu une idée, Ulor. Et je voulais en parler avec toi et devant les viewers parce que c'est aussi ça l'idée de ce stream, c'est aussi de partager nos idées aussi en live et voir comment l'autre réagit aussi, comment on s'organise en équipe. Je vous en fais remarquer qu'un GDD c'est beaucoup plus itératif en fait. Les documents sont beaucoup plus itératifs qu'ils ne l'étaient peut-être avant, où vraiment avant on fixait les règles et on suivait les règles. Maintenant on a un peu plus d'évolution où si on se rend compte que une idée n'est pas bonne ou qu'elle doit être changée, il n'y a aucun problème à changer le document qui va avec. Aussi, certainement parce que les outils ont aussi évolué de leur façon et permettent ce genre de manœuvre beaucoup plus facilement. Ouais, Donc je oui, vois. c'est une remarque importante aussi, Nusant, merci. Yes, Nusant, merci à putain, toi. je sais jamais le prononcer. Et donc du coup, ce que je voulais dire, c'est que je voulais parler avec toi d'une idée de faire un test en carton, physique du jeu. C'est-à-dire que, tu sais, j'utiliserais le board game, tu sais, qu'on utilisait quand on faisait nos JDR en physique, avant le Covid. Tu te souviens ou pas? Le Covid, c'est il y a tellement longtemps. Parce que tu sais, Oui, la map tout en plastoc que j'ai où on peut écrire dessus et effacer derrière, en fait, je vais l'utiliser pour mettre les tuiles dessus. Et je vais essayer de prendre une feuille de papier, découper et écrire des informations sur une carte et tout ça pour faire des espèces de proto-cartes et faire un test physique du jeu et voir comment. Bah, si on aime bien ou pas au final. Et je voulais te proposer ça. Est-ce que tu serais partant qu'on fasse ce test en carton? Ou pas? Bah on peut, mais on faudra qu'on se croise physiquement du coup. Non, mais on est colocataire, je te signale. Faut arrêter avec ça, hein. Faut Non, arrêter parce que non, les non. gens y croient vraiment. Ouais, non, mais c'est bien si. Vas-y, dis pas ça. On est en direct devant les amis de l'internet. Fais pas ça. C'est toi qui paieras les 200 balles d'amende, Bah, vu que c'est moi qui vais me déplacer, j'imagine bien, oui. hein. Alors, il y a aussi un autre truc. Donc, du coup, je voulais juste revoir avec toi vite fait les points importants du jeu. On avait statué qu'en gros il y avait 5 types de tuiles. D'accord? On a 5 types de cartes, du coup. Héros, événements, monstres, objets et constructions. On a les 3 types de boss, mais on va se limiter qu'à un seul, j'imagine, pour le moment. Et le board par joueur, on avait décidé que c'était la guilde. Donc avec toutes les améliorations et les héros en storage. Et les héros dans le donjon. Tu sais, comme deux boards devant le joueur. On avait aussi, du coup, j'ai statué que, du coup, j'ai enlevé plein de classes par rapport, tu sais, au JDR d'origine. J'ai enlevé plein de classes pour faire des cartes héros. J'en ai mis au final que 10, sans compter les doubles, hein, mais 10, 10 héros différents. Est-ce que ça te paraît jouable? Ou est-ce que tu penses que c'est trop? Ou est-ce que tu penses que je devrais être plus exhaustif? Ou plus. 10 euros. Ouais. Si tu joues à plus de 1, à plus de 2, ça va être compliqué, hein. Oui, mais on peut. Salut, c'est dit Ninja, Ah, je sais salut, pas comment Zeni! ça se C'est prononce. Ninja, c'est une collègue historique, un petit peu, tu vois. Donc, voilà. Salut, Zeni! En gros, salut, Zeni! Ouais, donc, du coup, je sais pas, est-ce que
t'en voudrais plus, t'en voudrais moins, tu... Enfin, qu'est-ce que t'en penses toi directement? Parce que je... C'est simple, hein. Si tu as une moyenne de 3 ou 4 euros par joueur, à 10 euros, tu peux jouer qu'à deux. Oui, mais non, non, mais c'est pour ça que j'y C'est pensais. aussi simple que ça, hein. Ça va dépendre de comment tu veux que le jeu joue, si je joue qu'à deux, si je joue à 4. Ouais, non, mais ça, Bah, on est 4, d'accord. 10 euros, c'est Mais mort. Ça ne tient pas. oui, non, mais ça, on est d'accord. Mais je pensais pour Bah, dans un parce que là, premier t'étais en temps. France. Oui, non, mais dans un premier temps, est-ce que tu veux qu'on parte quand même sur seulement 10 euros sympatoc? Ou est-ce que tu veux qu'on y aille full, on vise les 4 joueurs maximum? Ah, ça c'est toi qui vois, hein. Ah, Enfin, ça fait que de la data en plus, hein, donc mais ça, on c'est pas pourra. tant de problème en fait. Est-ce qu'on pourra l'implémenter plus tard si on voit qu'on peut aller plus loin dans le délire? Passer de 2 à 4 joueurs? Ouais. En implémentant d'autres héros, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Oui? Bon, bah alors on peut quand même déjà statuer sur 10 héros, ça peut déjà être pas mal, juste pour voir comment je fonctionne à deux en fait. Bah, encore une fois, ça dépend de comment le jeu est censé jouer. S'il est censé jouer à 2 et être fun à 2, oui. S'il est censé jouer à 4 et être fun à 4, bah. Bah en fait, je visais un jeu dans un premier temps Il y a modulable des en. jeux qui permettent de jouer à 2, mais qui Oui. sont clairement pas voués à être joués à 2. Genre, où clairement le but c'est de jouer à plusieurs, mais oui, si t'es que 2, bah tu peux y jouer quand même. Bah parce que en fait, si tu veux, il y a Ascension, pour comme exemple tout con, hein, qui est très similaire d'ailleurs à. Enfin, il est similaire sur certains points par rapport au jeu qu'on fait, et d'ailleurs, ce serait pas mal qu'on le fasse en refunding, mais. Faudrait voir s'il n'y a pas une version digitale, mais bon, là je m'égare. Le truc, c'est que Ascension, par exemple, il se joue tout à fait à 2 comme à 4. Hein. Même à 4, ça devient même un poil trop long, si je puis me permettre d'ailleurs. Et il y a des jeux où concrètement tu joues à 4, c'est très fun, tu joues à 2, tu te fais un peu chier. Mais c'est jouable. Ouais. Donc c'est ça le truc, c'est que ça dépend de ton jeu en fait. Ça, y a personne qui peut y répondre à part la personne qui a le concept derrière la tête, quoi. Bah, pour moi, je pense qu'il est aussi fun à jouer à 2 qu'à 4, perso. Mais je préférerais déjà me limiter à 2 pour voir si déjà à 2 ça se passe déjà bien, si tu veux. Parce que après, on peut toujours mettre du contenu additionnel, machin et tout, si on se sent, ou si jamais au final on veut le sortir, ou c'est parce que juste par orgueil personnel on veut continuer. Mais voilà, parce que. Donc, du coup, on peut statuer déjà sur 10 héros. Sachant qu'il y en a 20, au final, tu le multiplies par 2, parce que comme je t'ai dit, à chaque fois, t'as moyen d'en avoir. Donc comme ça, on fait 20. Ah oui, donc c'est 20 au final. Ah, Oui, ok. enfin, non, mais c'est 20, c'est-à-dire qu'il y a 20 Oui, types. oui, Oui, oui. parce que tu. Enfin, Enfin. explique-le parce que tu l'as jamais expliqué, ça. Non, mais si, parce que. Ah, mais si, je l'ai expliqué. Non, tu me l'as expliqué, tu l'as pas expliqué en live. Ah bon. Peut-être. Tu me fous un doute maintenant? C'est incroyable! Si J'ai t'as mal. doute, réexplique. J'ai mal. Bah, en Dans gros. le doute, réexplique. Ok, dans le doute. Alors, bon, pour ceux qui ne sont pas au courant, peut-être que vous rejoignez le train en pleine marche. Le jeu qu'on est en train de faire, c'est un board game, tout simplement. C'est un jeu de société. Donc, dans ce jeu de société, en fait, les deux joueurs incarnent. Enfin, les joueurs, du moins, incarnent une guilde, chacun. Cette guilde-là a pour but d'éradiquer tout ce qu'il y a dans le donjon jusqu'à tuer le boss final. D'accord? Donc le principe même de victoire dans ce jeu-là, c'est soit tu fais couler la guilde adverse, ou tu arrives à battre le boss. La façon la plus amenée normalement dans ce jeu-là, c'est de tuer le boss. Si ça se trouve, les joueurs vont réussir à trouver des strats pour pouvoir couler la guilde adverse sans avoir à buter le boss. Parce que du coup, il y aura. Juste une guilde vivante, donc du coup il n'y a pas possibilité de revenir dans la partie. Donc ça c'est pour le vite fait. Hein. Mais donc du coup ce jeu ça joue en fait avec des cartes. Donc vous allez avoir 5 types de cartes. Une carte type héros, où il y aura toutes les informations dessus du héros, c'est-à-dire ses attaques, ses défenses et même peut-être sa capacité spéciale. D'accord? Qu'il soit dans la guilde ou en donjon. Parce qu'en fait vous pourrez amener dans le donjon que 4 héros que vous aurez choisis. Sachant qu'au cours de la partie, vous pouvez racheter des héros, hein, les recruter, mais ça coûtera des pièces d'or. Après, du coup, il y a les cartes événements, c'est-à-dire ce qui va se passer quand vous allez arriver dans un certain endroit du donjon. Bah, du coup, il y a un événement qui se passe, donc ça peut être une attaque de monstre, ça peut être du loot, ça peut être juste un piège, ça peut être pas mal de choses comme ça.
Il y a aussi les cartes monstres, donc les monstres sur lesquels vous allez tomber. Et dans les cartes monstres, il y a aussi les cartes boss, ce que vous devrez affronter en tout au fond du donjon. D'accord? Parce que le but, c'est quand même de lui péter sa moule, à lui, au boss, pour le moment. Il y a les objets, donc ce qui peut booster les héros. Donc les cartes objets, ce sera typiquement genre une épée qui va améliorer l'attaque, le bouclier qui va améliorer la défense, ou des trucs du genre, par exemple, ce héros devient le tank du groupe, et donc du coup, il peut tanker les dégâts d'un autre héros dans la ligne en fait, avec qui il va dans le donjon. Et après, vous aurez les cartes construction. Les cartes construction, en fait, ce sont des cartes qui permettent d'améliorer la guilde. Donc c'est-à-dire expandre votre capacité d'avoir des héros en réserve, ou juste vous ramener plus de gold. Enfin, en gros, vous avez une espèce de banque de guilde, ou en gros qui va majorer en fait le loot en gold que vous recevrez, ou des terrains d'entraînement pour améliorer les dégâts, les défenses, les machins, et aussi des choses comme les cercles de téléportation qui permettra en fait d'envoyer directement un héros à la place d'un autre dans le donjon. Parce que c'est ça qu'il faudra aussi y penser, c'est que le donjon en fait va être visuel. Il y aura des tuiles. Les tuiles, ils sont au nombre de 5. Parce que ce sont des types de tuiles qui sont ouvertes d'un côté et pas de l'autre, et d'autres qui sont complètement ouvertes à 4 et tout ça. Et le but du donjon, soit on va proposer des donjons déjà générés qu'on aura déjà créés nous parce que vous ne voulez pas vous casser la tête à les faire, ou la version la plus fun, c'est que les joueurs qui jouent à cette partie-là vont prendre chacun une tuile et vont construire leur propre donjon. Pas pour eux-mêmes, mais pour tout le monde, parce que les deux groupes sont dans le même donjon. Et donc du coup, ça peut être beaucoup plus fun. Sur chaque tuile, il y a une carte événement qui doit être piochée pour savoir ce qui se passe. D'accord? Ça, c'est le truc le plus bateau que je peux faire en 5 secondes sans avoir préparé. D'accord? Donc, est-ce que ça va ou il y a des problèmes déjà? Je vous laisse me répondre avec le décalage, mais c'est à peu près ça l'idée. C'était bien, ok. Alors c'est pour moi là. Enfin bon, bref, dans ces héros, il y a plusieurs types aussi, hein. D'ailleurs, l'univers, c'est un peu de la fantasy. D'ailleurs, ce sera un fantasy un peu bateau, hein. Je veux dire, il y aura des classes que vous connaîtrez très bien et qui auront des capacités que vous pourrez retrouver. D'ailleurs, si jamais c'est brumeux, ces ninjas, on avait fait une mini explication foireuse avec un PowerPoint façon Wish, qui est encore en replay, qui est dans. Faudrait quand même qu'on fasse un peu mieux. Oui, d'ailleurs j'y pensais et on va le faire, on va le faire, on va le faire. Pas de problème. Et donc voilà, donc s'il y a des explications ou quoi, on pourrait revenir là-dessus. Et du coup, voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ouais, faut que tu ailles voir ça. Mais en tout cas, déjà rien que les. J'ai déjà en fait le prototype même, d'ailleurs, Ulor, de comment se passent les premiers tours, comment on met la partie en jeu. Hein. Il faudra que je t'envoie ça. Et. Tu sais, le premier tour, le deuxième tour, ce que les joueurs font et tout ça. Et. Le PowerPoint Wish. Fait en 5 secondes chrono. Écrit avec le gag, franchement, il est naze. Mais bon. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent toujours pas, hein, on va faire un petit peu un instant explicatif aussi. Normalement, tous les deux mercredis, on fait soit une ref hunting et on prépare d'autres petites choses qui pourraient être intéressantes pour le projet. Notamment, on a fait notre premier ref hunting à chaud sur Armello. Bon, on a dû attendre quelqu'un qui était genre League Expert. Sur Aramelo pour nous expliquer des strats qui étaient complètement pas mis en évidence en fait du jeu. Mais en fait c'est intéressant ce genre de ref hunting parce que c'est pas non plus pour faire l'excuse bête et méchante de faire du multigaming sur une chaîne Twitch. Hein. C'est vraiment pour essayer de voir, faire une veille concurrentielle et voir comment ça se passe pour d'autres jeux qui ont un système similaire ou quoi. Et d'ailleurs, ça nous a peut-être permis aussi de voir la mise en place, le traitement de l'information, parce que c'est aussi très important aussi dans un jeu, mine de rien, de comment tu fais passer l'information au joueur. Genre, l'information qu'il veut avoir, en combien de clics il doit l'obtenir? Normalement, en très peu, hein. Genre, dans l'idéal, un seul. Mais bon, il faut que ça soit organique, on va dire, assez instructif, intuitif. Pourquoi instructif? Intuitif, pour chercher ce genre de choses.
Question fatale. Quel jeu mercredi, hein? Bah, moi j'ai pensé à Slay the Spire. Ah, tu vas le faire mercredi du coup? Ouais, pourquoi pas. Parce que, en vrai, le deuxième jeu de Ref Hunting. Alors, on m'avait déjà posé la question si jamais on devait faire un seul Ref Hunting pour ces deux jeux-là. Parce que moi, je les trouve très, très, très similaires. Sachant que le Gordian, parce que ce serait le deuxième jeu, Gordian Quest, je trouve qu'en fait, c'est un Slay the Spire, mais avec toute la mécanique de Slay. Mais juste, ils ont rajouté un élément RPG. Vraiment JDR dans le délire avec une histoire narrée et tout ça, alors que Slay the Spire c'est vraiment genre t'y vas, tu choisis ta route, go 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 quoi. Avec l'événement roguelite. C'est un roguelike, hein. Ouais, sauf que Gordian Quest lui a enlevé le côté roguelite et Oui, roguelike. c'est là-dessus où ils sont complètement différents, du coup. Voilà, c'est juste ça qui est différent. Mais le système de gameplay, comment tu te combats, mis à part le déplacement des personnages, parce que vu qu'il y a des systèmes de placement. C'est très similaire. Le deck building, il est à peu près pareil, si tu Ouais, veux. le placement de personnage, il n'y a pas de placement de personnage Bah si, dans Gordian dans Quest, Slay the si. Spire. Non, pas dans Oui. Slay, mais dans Gordian, si. Du coup, c'est pas similaire. Non mais dans le deck, si, mec. Commencez pas, Tu monsieur. parles de placement de personnage, mais ça peut pas être similaire si dans l'un il n'y a pas de placement et l'autre il y Non, a du mais non. placement. Alors, je me suis mal exprimé. T'es un peu énervé, toi, aujourd'hui, hein. Ah non, mais faut être carré sur ce qu'on dit, parce que sinon ça n'a plus aucun sens. Non mais disons que moi je trouve que Gordian est juste un Slay the Spire mais sans le côté roguelite et avec du placement et un élément RPG. Mais c'est pour ça que je pense que ce serait intéressant de ne pas les analyser en même temps pour éviter aussi que mon cerveau me dise non non mais c'est la même chose c'est tout. Je pense que ce serait intéressant vraiment de faire deux Ref Hunting différents pour les deux. Parce qu'il y a aussi le côté narratif et tout. Mais donc ouais donc je pense vraiment Slay the Spire. Je sais pas ce que t'en penses. Toi, tu l'as mieux pensé que moi d'ailleurs ce jeu. Ouais, peut-être un peu, ouais. Parce que moi, franchement, je me suis très vite mis sur Gordian Quest, mec. Je l'ai fini deux fois l'acte 2. Hein, donc pour te dire. Parce qu'il n'y a que l'acte 2, malheureusement, vu que c'est un accès anticipé. Hein. Ah, il est en accès anticipé. Bah, en fait, il n'est pas encore fini. En gros, quand tu finis l'acte 2, ils te disent merci d'avoir joué. Nous allons bientôt mettre l'acte 3. C'est tout. Ah ouais, Ouais. bon. Et Au en moins, ils le fait, disent. de quoi? Au moins, ils le disent quand même. Oui, non, non, ils le disent, ils le disent, ils le disent. Il me semble d'ailleurs que c'est un Kickstarter. Mais de toute façon, à chaque fois qu'on présente un jeu en Ref Hunting, on présente de qui ça a été fait, quand est-ce qu'il a été sorti, s'il est fini, s'il a des DLC, tout ça, histoire qu'on se mette bien en tête ce qu'il y a et ce qu'on va voir, sachant que nous, on se limite seulement au début du jeu. Et enfin le jeu de base, pas avec le contenu additionnel. On veut voir vraiment comment il est sorti en état en fait. Et tous ces genres de petites choses-là. Voilà. Donc ça c'était les Ref Hunting. Une très grande parenthèse pour pas grand-chose peut-être pour vous, mais enfin, pour nous ça a du sens. Ça dépend si les gens sont intéressés par voir ce genre de stream. Oui, exactement. Oui, il y a toujours ce côté de. Est-ce que c'est pas un peu chiant au final, tu vois? Mais comment dire? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est une grande parenthèse pour voix, pour vous peut-être, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Merci Gabriel. Je savais que tu serais toujours présent dans nos cœurs et dans notre esprit. Donc là du coup, monsieur Hulor, que faites-vous? J'essaie de réparer mon repo. Alors, Je explique-nous tout tout. pété. Comment ça J'ai t'a tout tout pété? pété. Je sais pas pourquoi en fait j'ai un tool qui ne marche plus. J'ai dû faire du caca. En fait j'étais censé mettre à jour les libs qu'on utilise. Et il semblerait que l'outil qu'on utilise pour le versionning qui est Git, et ben, il est cassé. Il ne marche pas. Ah, t'as tout cassé? Il n'est pas reconnu, je sais pas pourquoi. Mais t'as tout cassé? C'est bizarre. Mais qu'allons-nous faire? J'essaye par ailleurs. Incroyable. Je vais vous montrer la fenêtre comment ça se Alors, d'ailleurs, par rapport à la dernière fois, j'ai mis en plus grand parce que bon, le but c'est aussi de voir ce que Ulor code. Donc, vous me direz si ce setup-là est mieux quand même, sachant que dans le dernier là qu'on avait fait samedi dernier, il y avait beaucoup trop de trucs, beaucoup trop d'espace un peu non utilisé, un peu chiant. De quoi? Ah oui, la fenêtre Ouais, de stream. j'ai changé un peu parce que. Oh mon dieu, quoi.
Honnêtement, quand j'ai revu le stream, parce que oui, on revoit les streams quand même, c'est pas pour nous auto-congratuler et renifler nos propres pestes, c'est aussi pour voir où est-ce qu'on a échoué, lamentablement, sur le stream. Sais que j'imagine tellement le mec, tu sais, qui se balade, c'est dans la section craft. Craft et je sais plus c'est quoi le nom de la section, je crois que c'est craft et. Enfin bref, on s'en fout. Et qui voit un gars qui est en train de coder et qui fait, mais attends, mais il nous prend pour des jambons, c'est quoi cette histoire? C'est pas pareil. Mais il ne crafte pas, il Mais... code, n'est-ce pas? C'est n'importe quoi, je veux pas en entendre parler. Bref. Twitch, modération! C'est tout de suite. C'est mieux là, Samy? Bah ok, tranquille alors. Parce qu'on essaie vraiment d'être un peu plus... plus lisse. Parce qu'on veut vraiment vous montrer vraiment comment ça se passe et tout ça. D'ailleurs, tu sais, UU, ça me fait penser à un truc. Avec Sirloin, on discutait un soir comme ça à propos du stream et tout, ce qu'il faudrait améliorer, pas améliorer, machin. Et pour la version tu sais, de travail à la ZOB, tu vois, quand il va falloir mettre un visuel pour voir si ça fonctionne, je pensais faire des cartes Stickman, mais vraiment péter du lard. Tu vois? Juste pour mettre une illustration bidon. Le test, Ouais, tu veux pour dire? le test, ouais. Ça coûte pas un rond, ça va juste être très très rigolo. Genre, ça va être les pires illus de toute ta life, mon gars. T'es pas prêt. Je vais tellement m'appliquer sur le Photoshop, tu sais, avec ma tablette en mode genre. Alors, un bon paladin, ça ressemble à quoi? Déjà, c'est un casque. Et je vais m'arrêter à là. Ça sera Voilà, fini. le paladin, c'est un casque, c'est C'est un tout. casque. Tabernacle, c'est la merde, j'ai tout pété, j'ai tout niqué. Non, non, c'est pas bien. J'ai mal. Hulor, non. Me casse Oui, pas bah tout. écoute, t'as qu'à avoir de la matière à montrer aussi. Hé! Hey! Oh! C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Cette Voilà. rébellion? Normalement, là, ça devrait marcher, mais même comme ça, j'ai l'impression que c'est niqué. Ah ouais? Je sais pas pourquoi, depuis peu de temps, j'ai des problèmes au réseau pour accéder à Framagit. Voilà, erreur 22, Network is unreachable. Merci. Sympa Merci, ça. merci patron. Alors pour ceux qui ne savent pas, normalement Hulor est très compétent, c'est juste qu'il ne connaît pas bien le sort. Non, ça n'a rien à voir, c'est que là typiquement j'ai une erreur network qui arrive assez régulièrement et C'est dû à quoi ça? en gros il n'y a pas d'explication. Genre c'est le firewall firewall qui fait de la merde, hein, du coup bah, c'est niqué. Et concrètement la dernière fois en fait j'ai attendu genre 2 heures et puis c'est revenu. Ah parce ouais! que bah pourquoi pas après tout hein. Ouais, attends, Je me attends. demande si c'est pas un truc de protection pour éviter le spam ou des trucs comme ça. Mais... C'est cool, mais ça t'empêche de travailler, donc c'est pas cool en fait. Donc bon. Ah, c'est caca. C'est caca, c'est caca, c'est caca. Et toi d'ailleurs, Hulor, maintenant que du coup on a Ça, du temps. c'est compliqué, on va attendre, on va voir. Est-ce que tu as une idée que tu voudrais implémenter dans le jeu ou est-ce qu'il y a un truc qui te dérange dans la mécanique, peut-être tu voudrais revoir? Ben, moi j'aimerais bien avoir les boucles de jeu qui soient vraiment établies. Pour le moment, c'est un peu genre YOLO, tu peux faire ce que tu veux dans un tour, Non, dans tiens, l'ordre que je tu t'envoie ça. veux et tout ça, Je t'envoie donc. ça, je t'envoie ça, je t'envoie ça. Ça, c'est pas fameux, voyez-vous? Oui, bon, bah. Pardonnez-moi, mon seigneur. Alors attends, je peux pas le faire vu qu'on est en stream, vu que je suis en plein écran, mais je l'ai. Je l'ai, ne t'en fais pas, c'est rédigeable. Y a pas de problème là-dessus. Hein. Parce que personne d'autre n'a eu le souci. Ouais, mais c'est marrant, ce souci, je l'ai à chaque fois que j'essaie d'y accéder quand même. Hein. Ça devient récurrent, gat-gat. Hein. Genre, Gat-gat qui envoie des messages privés. tu sais bien que ça fait au moins 5 fois que je t'en parle de ce problème. Je dis pas que c'est de votre côté. Hein. Pour moi, c'est un problème qui vient de Framagit. Hein. C'est pas un problème de votre côté du tout. Hein. Mais c'est clairement, il y a un truc qui pêche là-dedans. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Alors, c'est Ninja, je sais pas si ce serait vraiment intéressant. Parce qu'il faudrait déjà que je sois compétent en dessin. Ah oui, il faudrait avoir un live de création de cartes, je Mais suis bien d'accord. pourquoi tu m'aides pas, toi? T'es censé être mon copain? Non, T'es mais parce censé que être mon partenaire?
En fait, ça fait du matériel à présenter, c'est intéressant. Oh bordel. Pourquoi j'ai ouvert ma gueule? Voilà, là ça a marché. Voilà. Je l'ai retenté une troisième fois, ça a marché. Donc oui, ça vient peut-être de mon côté, ça n'empêche qu'un truc qui marche une fois tous les 36 du mois, ça me paraît bizarre que ça vienne de mon côté. Enfin, ça semble plus à une erreur réseau qu'autre chose. Ça remarche plus. Ouais, très bien. Excusez-moi, hein, je reviens. Pas de soucis. Est-ce qu'il a maison, lui? Il a pas maison. Si. Très bien. Bon, ok, d'accord. Donc du coup, il faudra aussi que j'essaie de voir comment présenter les cartes. Bah oui, carrément. Non, mais est-ce que en fait, c'est un truc que je regarde là depuis, bah, depuis qu'on a commencé le projet. Et alors, même si Armello, il a été, y a eu pas mal de lacunes dans ce qu'on pouvait vraiment retirer d'Armello ou quoi, moi je trouve que l'information sur la carte, comment c'est présenté, hein, je parle juste de la présentation de la carte en elle-même, je la trouve pas si déconnante que ça. Tu vois ce que je veux dire? De quoi? La présentation de la carte, quoi? Oui, enfin les informations, comment ils sont dispatchés, pas comment c'est présenté, parce que oui, on a bien vu qu'il y avait, on comprenait la moitié des, en fait, de ce qu'on pouvait faire avec cette carte, mais la présentation, comment c'était agencé et tout ça, parce que ça aussi c'est important, c'est comment on va agencer le bordel. Oui, c'est carrément important, oui. Donc du coup, bah, j'ai réfléchi, et soit on partait sur un système bah, qui est connu, surconnu, surutilisé, comme dans Slay the Spire, ou Guardian Quest, et dans les cartes Magic ou Pokémon, enfin bref, tu vois, tous ces jeux de cartes comme ça. Et aussi, par la même Ascension, ça, ils ont la même information dispatchée sur les cartes. Je pensais que le système d'Armello était un peu innovant, et moi je le trouvais, comment dire, plus aéré, plus. Bah, plus sympa à regarder, bizarrement en fait. Au-delà de l'ADA, hein, c'est. Bien évidemment. Le truc d'Armello? Ouais. Je me souviens plus trop des cartes d'Armello en vrai. D'accord, bah du coup, de toute façon, je te montrerai, tu me diras ce que t'en penses. Ce serait intéressant qu'on fasse ça. Bon, bah, si jamais vous voulez qu'on fasse en live, pour. Mais par contre, je vous préviens, hein, c'est pas un live de ouf, hein, c'est vraiment. On fait vraiment du caca pour faire du caca, hein. C'est juste pour avoir un truc pour mettre. Voilà, vous attendez pas à des dessins de fou furieux, parce que moi-même, j'irai pas pour faire des dessins de fou furieux, hein, faut pas déconner non plus. Genre. Le peuple qui a parlé, il veut voir des stickman, bien sûr. Live toilette. Clairement, oui. D'ailleurs, c'est vrai que, tu sais, pendant le projet, j'ai pensé en fait à deux, trois choses aussi, notamment. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu te marres? Non, parce que ça ne marche pas. Ah. Ah, Bah, donc apparemment, c'est tu pas rigoles. normal que ça mouline Oui. pendant 50 ans dans le vide. Ah, je commence à m'inquiéter, ce qui dit rien, et c'est un peu suspect quand même. Ah ouais, non, c'est très bizarre. Du coup, je crois qu'on me conseillait de virer tout le dossier subproject et de le retélécharger. Ah On va oui, à ce faire ça. point. On va faire ça. Hop. D'ailleurs, du coup, on ferait ça quand le truc? À la place des refunting, genre tous les mercredis, mais enfin, quand il n'y a pas refunting, c'est dessin de merde. Qu'est-ce que t'en penses? De quoi? Si jamais à la place des refunting, quand on n'en fait pas, on fait les dessins de merde. Pour les. Bah, pour les stickman, quoi. Yes, quel plaisir. Sacré plaisir. Bah, à la place d'un refunting, ça passe, ouais. Comme ça, il y a mercredi contenu additionnel. DLC du live. Je vais retrouver ça. À la dure Ah, réalité. parce que. À la place. Oui, bah, de toute façon, on aura un moment ou un autre, on va finir par manquer de refunding, hein, donc c'est pas Oui, déconnant c'est que ce qu'on ce dit. soit. C'est ce qu'on disait déjà de base, hein. C'était ça aussi qui nous inquiétait d'ailleurs, c'est de ne pas avoir un contenu à remplacer. Pour les refunding, parce que bon, on va pas faire des refunding jusqu'à la fin, hein. Ça va plus être pertinent au bout d'un moment donné. Et puis,
Franchement, les jeux auront de moins en moins de rapport avec ce qu'on est en train de faire. Donc, puis à un moment donné, le porte-monnaie aussi, hein, parce que Ouais, je les achète derrière. Hein. Ça devient vite cher, quoi. Bah, rien que de Slay the Spire et Guardian Quest, je les ai achetés le même jour. Hein. C'était quand tu m'en as Ah parlé. oui. Ouais, bah tu m'as dit, il y a ça et ça, j'ai fait, ok, don't move. J'ai commencé à sortir les Guardian cartes. Quest, c'est toi qui m'en as parlé. Je connaissais pas. Hein. Ah bon? Merde, mais Ouais, c'est qui c'est alors qui m'en a quelqu'un d'autre qui a parlé? dû t'en parler. Peut-être Mono ou un truc comme ça. Ah, Du coup, potentiel. faut que je retrouve les documents. Ici, potentiel. Si vous avez des questions, allez-y, hein. Oui, parce que là, c'est un peu le temps mort. Ouais, donc en plus de ça, on est deux, donc pendant que lui, littéralement, il fait plus gros du boulot, moi je peux essayer de combler les vides. J'essaie de remettre le projet en aplomb. Vous avez mangé quoi ce midi? Alors, Gadgad, des questions pertinentes, mais. Putain, on va redirect Feynman doesn't exist. Quoi? Bon, perso, j'ai mangé la pâtisserie italienne là, en dessert. C'était stylé. Voilà, j'espère que ça te suffira, Gadgad. Pardon pour l'overlay. J'avais pas vu qu'il y avait l'overlay à la zob. Faites des photos de la prochaine. La zone quoi. Non, rien, t'avais Attends, l'overlay la de prochaine fois. Enfin, tu on nous fera abris pour les carrément plus de photos. Ouais, grave. On fera un live avec toutes les photos de bouffe qu'on a fait. Ouais, non, mais là, les catégories food porn, si tu veux, moi qui adore bouffer pourtant, c'est peut-être les catégories que je regarde, mais le moins au monde, sur les Discord, les trucs comme ça. C'est vraiment un des trucs qui m'en bat tellement les couilles, frère. Tellement fécable en plus. Ah tiens d'ailleurs, blague à part, mais j'ai vu qu'ils ont finalement sorti là l'espèce de programme qui se présente comme un jeu vidéo où en gros tu crées tes maps de JDR là sur Steam. Je sais plus si je t'en avais parlé ou pas de ça. De quoi? Attends, je vais te dire le nom du truc. Mais je pense que tu sais ce que c'est parce qu'on en avait parlé une fois il y a longtemps. C'est Telspire. C'est où tu crées tes maps en 3D, machin et tout pour tes JDR et tout ça, où tu bouges tes pions, tu peux mettre des monstres et tout. Des strats qui sont enfin sortis, il est enfin accessible sur Steam. Ça a l'air marrant. Par contre, c'est voilà 20 Il balles. est accessible complet ou... Visiblement, Ouais. oui, mais par contre, c'est 20 balles. Donc, j'imagine que c'est 20 balles pour tout le monde, juste pour avoir des maps 3D, quoi. Après, c'est Covid, donc est-ce que c'est pas une bonne idée non plus? Parce que franchement, parce que Roll20, quand tu connais pas bien le programme, punaise, mais t'es vraiment limité à carré blanc. Tu mets C'est un un peu jeton. compliqué. Waouh. Le live recette italienne, c'est non! Non! Parce que ça sous-entendrait qu'il faudrait que je filme ma cuisine, ça sous-entendrait aussi qu'il faut que je me mette un masque et tout ça pour être toujours anonyme sur le net. Bon, c'est beaucoup d'organisation pour pas grand-chose. Et en plus de ça n'a rien à voir avec le projet là. Moi, je peux faire un GM cake. Y a des erreurs partout sur le cake. Est-ce que tu arrives à te dépatouiller, Hulor? Doucement, doucement. Tu dessines des recettes sur Paint. Mais vous allez me lâcher avec les dessins! Qu'est-ce que c'est? Ben voilà, ça y est, maintenant que j'ai lancé le truc, punaise, j'aurais jamais dû à donner de l'importance à ce que m'a dit Sirlois là sur les Stickman. Fais-nous des jolies tomates. Incroyable! Incroyable. D'ailleurs, t'as une anecdote là-dessus où genre t'as eu un bug comme ça ou une erreur et qui t'a freiné dans la conception d'un jeu dans ton milieu professionnel là? Comment?
T'as déjà eu un problème comme ça là, ce que tu es en train d'expérience, enfin ce que tu es en train de faire l'expérience dans ton milieu professionnel, mais qui a duré sur la longueur ou pas? Genre les événements et tout. Ça arrive régulièrement, hein. Ouais. Enfin, c'est monnaie courante, ça, en vrai. Ouais. Genre c'est tellement fréquent que bon bah tu paniques plus quand ça arrive ou il y a toujours un peu cette panique du boulot à rendre. En fait, ça dépend de qui vient l'erreur, hein, parce que ça arrive que l'erreur ce soit parce que bah voilà, il y a un soft qui s'est mis à jour, donc il a niqué la moitié de ta manière de produire Ouais. régulièrement, et là t'as juste à rager dans ton coin et tu peux rien y faire. Soit c'est des tools internes qui sont niqués, et dans ce cas-là, tu sais que ça va durer que peu de temps et que c'est pas dramatique, tu t'en remettras, quoi. Mais il y a déjà eu des trucs où il a fallu que tu recommences tout le boulot que t'avais fait pendant. Ouais, super souvent. Ouais. Enfin, typiquement sur au taf, on utilise Unreal, et les versions d'Unreal ont une tendance à niquer tout, en fait. Enfin, Ah, ok. ça les emmerde pas de changer complètement et de ne pas gérer vraiment de rétrocompatibilité ou quoi que ce soit. Ah ouais? La rétrocompatibilité, c'est quand le soft précédent continue à fonctionner sur une version mise à jour. Et ça, ils ont une tendance à s'en foutre selon le domaine sur lequel on travaille. Donc ça m'est déjà arrivé de devoir repasser entièrement sur tout mon taf pour mettre à jour ça. Mais alors, toi, là où tu bosses actuellement, en fait, quelle est ta fonction en tant que. Enfin, je veux dire, de quoi tu t'occupes réellement, en fait, dans ton taf? Dans mon taf, je m'occupe de générer des cinématiques et gérer l'outil de création de cinématiques. D'accord. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend un dialogue en entrée et on va essayer de produire en fait toutes les enfin, on va regarder en fait comment le dialogue est segmenté, à savoir si par exemple il a un choice ou des trucs comme ça, D'accord. et on va produire en fait des cinématiques en fonction de ça. Et du coup bah sur Du coup, forcément, on a produit les outils en interne, parce que c'est un truc qui n'existe pas, hein. C'est de la popote, donc voilà. C'est de la bonne compote. Sinon, ouais, des emmerdes avec des outils où on sait pas les utiliser, ça arrive souvent aussi. C'est typiquement le genre de cas qu'on a là. D'accord. Et il y a déjà eu un moment donné où en fait c'était trop proche d'une deadline et ça t'a foutu dans une mer noire, genre bosser en extra et tout ça ou pas? Comme ça me parle pas. Comme ça, ouais, d'accord. Mais généralement, toi, du coup, dans ce poste-là, tu es tout seul ou t'es dans un travail d'équipe Alors, jusqu'au début d'année, j'étais tout seul. Là, j'ai quelqu'un qui m'a rejoint en décembre pour m'assister sur ce taf-là. D'accord. Mais t'as toujours eu ce poste-là à travers ton Depuis expérience? 3 ans où je suis dans la boîte actuelle, j'ai toujours eu ce poste-là, mais concrètement, avant ça, non, je travaillais sur un système de modding pour un autre jeu qui n'a rien à voir dans une autre boîte. Parce que le système de modding, d'ailleurs, on parle bien des mods enfin, je sais pas, on va dire une C'est connerie, mode mais joueur, voilà, oui, donc des mods joueurs. D'ailleurs, c'est ouais. Ouais, vraiment. c'était sur une série que les joueurs avaient l'habitude de modder, mais de manière non officielle. Ouais. Et sur une des productions, on a décidé de rendre le modding officiel, donc on a sorti les outils nécessaires et ce qui pouvait les aider. D'accord, donc vous Du avez complètement coup, on a sorti les supporté outils. plus de trucs, il y a d'autres trucs qu'on n'a pas pu supporter. Mais... Mais du coup, ça vous donne un droit de regard sur les mods que les joueurs font ou. Alors techniquement, si c'est sur Steam, ça passe par le Steam Workshop, et le Steam Workshop, c'est à la responsabilité du développeur. Ouais. D'accord. C'est-à-dire que s'il y a des mods qui ne respectent pas une loi ou quoi que ce soit, Ouais, c'est pour votre c'est faute. le développeur qui est responsable, il me semble. Donc c'est quand même une responsabilité en plus à Ça gérer.
tout d'être le log du problème ici présent. C'est une responsabilité à gérer. Ça suffit de regarder vite fait un coup de temps en temps ce que les gens font. Hein. Après, techniquement, ils étaient en droit de pas le mettre sur le Steam Workshop. D'accord. Ça, c'est pas. On ne pouvait pas forcément du coup voir tout. D'ailleurs, quelle est la vision en interne par rapport au mode, comme par exemple un site, on va dire le site le plus connu, je pense, Nexus Mod Manager. Comment vous le ressentez, cette espèce de communauté de modding? Comment c'est situé en interne vraiment? Est-ce que c'est bien vu? Est-ce que les patrons sont plutôt ok avec Nexus Mod Manager? Comment ça se passe en vrai? En vrai, j'ai toujours trouvé ça super impressionnant. Genre les modders, c'est des tarés dans leur tête en fait. Déjà parce que la plupart des jeux supportent pas les modes de manière officielle. Donc les mecs, ils vont aller décompiler les projets et aller regarder leur nez dedans directement. C'est assez impressionnant. Mais après, au-delà de ça, bah, chaque boîte a un peu sa vision propre sur les modders, je pense, concrètement. Typiquement, avant nous, on en avait un peu rien à faire et un jour, on s'est dit, bah en fait, faudrait qu'on les assiste, parce qu'en vrai le modding, ça a quand même un impact significatif, un impact assez fort sur la durée de vie d'un jeu. Mmh. Concrètement, un jeu, une fois qu'il est fini, enfin une fois qu'on a fini le jeu, son histoire ou n'importe quoi, s'il est modable, ça veut dire qu'il y aura d'autres histoires à jouer, et surtout c'est pas aux développeurs de les faire. Ce qui fait en fait un peu de la main d'œuvre gratuite, hein. Concrètement, le modding, c'est de la main d'œuvre gratuite. Alors, est-ce que du coup c'est une bonne manœuvre ou pas? C'est un peu difficile à dire. Bah, y a quand même cette histoire de mode payant, mode pas payant aussi, qui s'est posée au bout d'un moment donné à travers les années. Je pense notamment avec Bethesda. Il y a des boîtes qui ont essayé de faire payer leur mode. Ouais. Bethesda. Ça a été très mal perçu. Ouais. Bah, dis-toi qu'ils ont quand même réussi. Hein, légitimement, c'était mal perçu. Ouais, mais tu sais, non, mais clairement, hein, moi je suis pas du tout d'accord avec cette histoire de mode payant. Bah, on pense tous à Fallout avec leur Creation Club, là. En gros, ils te font payer des mods aussi. Ils ont réussi au final à imposer leur truc. Sur Fallout, ils ont. Sur Fallout, ouais, t'as le Creation Club. En gros, faut que tu payes. Ouais, je crois que sur une des versions de Skyrim, ils ont fait ça aussi. Ouais, sauf que... Je crois que du coup, ils le font pas payer, par contre, sur Skyrim. Oui, parce qu'en fait, t'as tous les modders qui ont commencé à dire, bah, niquez-vous, en fait. Et ils ont commencé à faire, tu sais, le délire de mode free ou free the mod, je me souviens plus vraiment du truc, mais ils avaient fait un vrai tollé. Et là, sur Fallout, je sais pas pourquoi, c'est tellement passé comme une lettre à la poste, malgré 2-3 gueulards, qui étaient légitimes, hein. Moi, je suis plus du côté des gueulards, pour le coup. Mais je sais pas, cette fois c'est passé pour Fallout, je me l'explique pas, tu vois, cette histoire. Pourtant, c'est quoi? C'est une ou deux, voire. Franchement, je crois, de mémoire, hein, donc faudra vérifier, je crois 50 différences, et pourtant, c'est passé. Alors qu'il y a 5 ans, ils avaient gueulé, et ils avaient réussi à faire plier le truc, mais là. Bon, après, je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui l'utilisent, hein, le Crash and Club. Sur lequel? Sur Fallout. Sur Fallout 4, normalement. Ouais, déjà, je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui jouent à Fallout 4, en vrai. Bah, modé, Fallout 4, il est... En fait, le jeu est plus intéressant quand tu le modes, complètement. En fait, il devient vraiment sympa quand tu le modes, en fait, Fallout 4. Tu sais, en rajoutant des histoires perso, des machins et tout. Mais bon... Ça, c'est une autre histoire, tu me diras, mais bon... Voilà, quoi. Donc, du coup... Ton erreur, Hulor, où on en est? Toujours au même point. Ça commence à me saouler. Le boisseau. Toujours pareil, hein, les gars et les filles. Si vous voulez vraiment poser une question, faites-le. Parce que oui. Moi, évidemment, il y a la majorité des questions que je viens juste de poser à Hulor que je connaissais la réponse, parce que bon, voilà, on se connaît quand même. Mais... Les gars qui disaient de faire payer les modes développés gratuitement par les joueurs. Ouais, j'ai vu ça. Des gens qui font ça. Il y a des gens, ils ont pas d'âme, à peu près. Pas de race. Pas d'âme. Vraiment pas de race.
Donc, pif paf pouf pam bim. Il fait quoi là? Bah, Norf, il fait le GDD en même temps. Il modère un peu le chat. Bref, Norse branle rien en fait. Bah, je suis dans la rédaction là, donc du GDD en même temps. Mais je vous lis, hein. Donc faites pas les flibustiers là. D'ailleurs, bon, pour ceux qui veulent savoir à peu près à quoi ressemblera la chose, le GDD, je vous file le lien du modèle sur lequel je vais me baser. Donc je me base d'ailleurs tout de suite, d'ailleurs en ce moment. Donc voilà, donc c'est sur ce lien, vous verrez directement comment c'est fait, quelles sous-parties, il y a même des exemples, c'est plutôt bien foutu. Par contre, pour ceux qui ne parlent pas anglais ou qui ne savent pas lire ou tout autre problème relatif à l'anglicisme, bah, préparez-vous parce que c'est en anglais. Hein. Clairement, brace yourself. Et c'est voilà, donc du coup, comme ça, vous aurez peut-être une petite idée de comment ça va, à quoi ça va vraiment ressembler dans les grandes lignes, qu'est-ce qu'on peut trouver dedans. Il y a aussi d'autres trucs hein, qu'on va mettre, vous en faites pas, hein, comme le lien. De toute façon, on va vraiment essayer d'expliquer vraiment tous les outils qu'on utilise comment ça va se passer, quoi. Donc, mais oui, il y a un taf. Après, bon, on va dire que moi personnellement, ça me dérange pas parce que j'aime vraiment plutôt cet aspect-là en fait du taf. C'est vraiment la création d'univers. Enfin bref, celui qui se branle, hein, clairement. Alors que l'autre est en train de s'arracher les cheveux. Là, tu files les liens de Game Sutra là? Oui, pourquoi je devais pas? Si, si. J'ai eu peur, j'ai cru que t'allais me dire. Bah non! C'est des trucs libres normalement. Oui, justement, donc c'est pour ça que j'avais pas compris. J'étais là en mode quoi? Ah, mais je me demandais c'était quoi le but derrière, genre si c'était pour montrer un truc ou Ah, d'accord. C'est deux tafs différents, c'est tout. Exactement. Enfin, bon, il y a deux tafs. Il y en a un qui se marre un peu quand même, parce que lui, il a juste à parler et dire: ouais, j'aimerais bien ça. Alors, ça, c'est priorité 1, ça, c'est 2, ça, c'est 3. Mais bon, voilà quoi. Mais si c'est 3, j'aimerais bien que ça soit 1. Oui, parce que bon, alors, bon. En fait, les priorités dans ce document, il les a listées en 3 étapes. Priorité 1, c'est il faut qu'il y ait. D'accord? Donc, c'est un must-have, c'est ce qu'il faut faire. 2, c'est on fera ou on va faire. Et 3, c'est ce serait pas mal qu'on l'ait. Mais c'est un peu optionnel. En gros. Donc, voilà, il y a 3 types de priorités. On va utiliser d'ailleurs ce système de 3 échelons de priorité. Ça peut être pas mal, comme ça, du coup, ça peut aussi bien mettre en avant ce qu'on veut et ce qu'on veut pas. Enfin, ce qu'on veut pas, non, ce qui serait sympa d'avoir, mais franchement, c'est tellement optionnel qu'on peut squeezer si c'est trop contraignant ou que ça fout tout par terre ou que machin. Voilà. Donc, comme je disais sur ce document que je vous ai linké, il y a des. Bon, il a bien foutu son truc, hein, c'est en sous-partie, sous-partie et tout ça. Mais il y a quand même une partie qu'on va squeezer un minimum. C'est des parties en fait qui sont plus pour des jeux narratifs et tout. Même si jamais on va faire quand même quelques lignes, comme disait Ulor tout à l'heure, au tout début du stream. Donc, c'est-à-dire il y a à peu près 1 heure maintenant, vu que c'est 59 minutes. Non. Donc ça fait pas très loin qu'on aura quand même quelques lignes de scénar et tout ça, malgré que le scénar en fait c'est très bateau. D'ailleurs, tiens, on va faire peut-être un petit enfin une petite anecdote quand même sur ce projet. Alors à la base, ce projet en fait c'est tiré d'un JDR que j'ai créé il y a beaucoup d'années, et c'est un JDR que je considère comme merdique.
depuis le temps, parce que entre temps j'ai fait des tonnes de JDR, j'en ai créé d'autres et j'ai fait avec des gameplays différents. Mais celui-là, en fait, la particularité de ce JDR-là, c'est qu'en fait c'est mon tout premier JDR que j'ai créé. Mon tout premier. Et à la base, j'avais fait un univers bateau de fantasy, de médiéval fantastique, tout simplement parce que je voulais juste étudier en fait de façon pratique le gameplay, la mécanique d'un JDR, c'est-à-dire le lancement des les fiches de personnages et tout ça. Donc c'est-à-dire que moi personnellement je trouve que le système est très en dessous de mes nouveaux JDR. Ulor, tu pourras dire oui, merde ou ouais carrément pas. Feel free de participer. Mais ben voilà, donc c'est un peu l'anecdote sur ce jeu. Et en fait, on a décidé d'en faire un board game parce que, bon, déjà, comme on avait dit dans le premier live, c'est un projet plutôt réaliste pour une équipe très réduite. C'est pas un projet qui est méga compliqué en soi, on va dire, dans un certain sens. Mais c'est aussi pour montrer que tout projet de jeu vidéo peut et est en quelque sorte compliqué dans un certain sens, et que quand on se lance dans la fabrication d'un jeu vidéo, que ce soit amateur ou pro, mais là on parle aussi d'un peu particulier, parce que Ulor est un professionnel du milieu, il taffe dans le milieu depuis déjà quelques années. Moi, je suis celui qui n'a pas foutu les pieds dans ce milieu-là, en termes professionnels. Donc, il y a quand même une différence de taille, si je puis me permettre. Et c'est aussi ça aussi qui est intéressant, c'est de voir comment on peut interagir, comment on peut s'organiser. Quand moi je me fais rouspiller parce que je fais pas un truc correctement et que c'est pas la méthodo du boss, du travail, tu vois. Et Ulor qui se dit mais arrête de rajouter des trucs dans ton jeu, on a compris. Tous des trucs comme ça. Donc voilà, donc c'était un peu la petite anecdote sur ce jeu. Et on a décidé d'en faire un board game parce qu'à la base c'est pas un board game. Parce que c'est marrant et parce que c'est plus réaliste. Et puis, franchement, si jamais c'est pour faire un énième JDR jeu vidéo, enfin, en gros, c'est ça aussi. D'ailleurs, je voulais avoir ton avis là-dessus. Petite transition débile. Il y a de plus en plus de jeux vidéo, en fait, c'est juste un JDR retranscrit en 3D. T'en penses quoi de ça? Est-ce que tu penses qu'on en a assez bouffé, comme par exemple Larian Studio qui en fait des tonnes depuis Divinity Original Sins? Qui maintenant on fait aussi Baldur's Gate, là le dernier qui est sorti. C'est leur dernier jeu qui est sorti d'ailleurs, il me semble. T'en penses quoi de tout ça? C'est une mode. C'est une mode, on est d'accord. En mon sens, c'est une mode, Après, mais mode. il y aura toujours des clients pour ça et il y aura toujours des gens pour en faire. Là, actuellement, c'est un peu en vibe et ça finira par se tasser, je crois. C'est sûr et certain, mais. Sirlois qui dit je préfère large ça à du RPG classique ou voire pire le light RPG. Alors ça Sirlois tu vois c'est les goûts et les couleurs pour le coup. Parce que je connais des gens qui préfèrent justement le RPG classique ou le light RPG. Et bah, c'est comme ça, hein, c'est pas autrement. Typiquement, personnellement, moi, si je veux faire un JDR, je fais un JDR, je joue pas un jeu vidéo. Il y a ça aussi, hein. Parce que. Après, il y a ça aussi. Et il faut aussi penser que la majorité vraiment des gens qui jouent à ce genre de jeu-là. C'est ceux en fait qui ont bah, qui sont soit bah, qui adorent le JDR ou qui aiment bien l'aspect JDR, mais qui ne peuvent pas le faire en physique, en fait. Donc je pense que c'est un peu bah, la boule anti-stress d'une personne qui ne peut pas jouer en vrai. Parce que personnellement, oui, moi qui adore les JDR et qui en fait et qui en crée à plus savoir quoi où les mettre, j'avoue que des fois, les jeux de JDR en jeu vidéo. Genre par exemple Original Sins, Divinity, Baldur's Gate. En fait, c'est pas que je les fuis, c'est pas vraiment ça, c'est juste que je suis pas à l'aise avec. Parce que si tu veux, bah je me dis ouais, enfin moi le JDR, je préfère le faire avec des potes ou avec quelqu'un en fait. J'aime pas le faire tout seul. Donc, c'est-à-dire que ce genre de jeu-là, je peux pas y jouer quand je suis tout seul. Donc du coup, j'y joue pas. Tout simplement. Et c'est là d'ailleurs, du coup, je te rejoins, c'est si j'ai envie de faire un JDR, bah je préfère faire un JDR avec quelqu'un. Donc voilà, moi c'est pour ça que Divinity Original Sins, par exemple, le 1 et le 2, je l'ai jamais fini. Parce que bah, à chaque fois, quand tu dois essayer de te mettre d'accord avec quelqu'un, il y a toujours un truc qui se met en travers de la gorge, quoi, enfin, du chemin. Et donc, du coup, voilà. Mais blague à part, bah, faut les MJ, les potes qui suivent et tout ça, c'est plus compliqué et c'est pas sur la même mood. Alors, oui et non, des fois, il y en a qui font pas d'efforts.
Je dirais juste ça. Voilà, je pose ça là. C'est ma petite gueulante perso. Je détaillerai pas plus parce que bon, on est en stream, c'est pas le propos, mais voilà, je mets ça là. Hein. J'ai balancé ma petite crotte de nez, je suis content. Tiens, t'arrives à te dépatouiller là, là ou... Ah, c'est la fête. Je prends des nouvelles. Hein. J'aimerais me souvenir de nous. RPG en jeu vidéo et organisé en GDA, il y a quand même un gap. Oui, bah il y a un gap, oui, mais après le truc c'est que. Comment dire? En fait c'est compliqué, c'est vraiment les goûts et les couleurs, hein, pour être tout à fait honnête. Mais perso, c'est pour ça, je suis pas rebuté, mais je vais pas foncièrement vers ces jeux-là, personnellement. Parce que je préfère encore largement faire un vrai JDR et me faire surprendre. Alors que bon. C'est bon, voilà, c'est vraiment les goûts et les couleurs de toute façon. D'ailleurs, l'aspect RPG, blague à part, maintenant qu'on retourne un peu sur le sujet, sur les cartes, je me suis posé la question s'il fallait essayer de mettre une espèce de mood, tu vois, sur les cartes. Du genre, tu sais, une description quand tu pioches une carte, genre t'as un petit écran, un peu narratif, ou est-ce que ça va bloquer le jeu en fait? J'y ai pensé et je me tâte un peu. Après, si c'est très court, pourquoi pas? Du genre, imaginons que tu pioches la carte piège, la carte événement, où en gros c'est un piège qui te bloque pendant un tour sur cette tuile. Bah, est-ce qu'il n'y a pas un truc du genre, le groupe tombe dans une salle, malheureusement des grilles se referment derrière eux, ils ne peuvent plus sortir, tu vois, des trucs comme ça, histoire de mettre un petit mood, ou juste, non, vous pouvez plus juste pas bouger pendant un tour, ta gueule, tu vois, c'est. Je me suis posé cette question là aussi. C'est comme pour les héros, hein, la dispatch. Faudra quand même faire un bon équilibrage parce que je suis pas sûr que j'arriverai du premier coup, ce qui est impossible normalement dans ce genre de truc là, de faire des héros équilibrés où il n'y en a pas un qui est beaucoup trop overpowered par rapport aux autres qui sont censés faire à peu près la même chose. Ça a l'air d'être bon. Mais récupère les subprojects, ça a l'air de se passer. Hop. Tac, tac, tac. Ça pour mettre à jour les libs, hein. Ça doit te faire régulièrement, ça va être fun. Là. Alors, 5 tuiles, pif paf pouf, taling dang dang. C'est bien là, je dois taper mon mot de passe en boucle, c'est un plaisir. Oh, ça, quel plaisir! Ouais, fantastique. Si vous avez des questions sur l'univers ou sur le code, sur les anecdotes, sur quoi que ce soit, n'hésitez pas, allez-y, hop hop hop. Il faut vraiment que vous pensiez qu'on est libre là-dessus, on peut en parler, il n'y a pas de.
Non, Gadget, je ne copierai pas mon mot de passe, c'est une idée à la con. Je suis en manque de flotte, je reviens, je vais juste prendre une bouteille d'eau, j'arrive. Ok, ça remarche. Presque. Ça remarche presque parce que... Bon, au moins on a des vraies erreurs maintenant. Ah, du coup, ça doit être les nouvelles fonctions qui prennent pas les bons arguments. Qui prennent plus les mêmes arguments. Alors... Main ligne 46. Donc dans Graphic Engine. Des init en fait le okay. Qu'il y a plus de booléen en fait, il y a juste plus de booléen du tout en fait, le booléen qu'on savait pas à quoi il servait a disparu. Simplement. Non, mais d'autres erreurs, ça progresse. Le grain d'erreur maintenant apparemment prend la taille en argument. C'est re, pardon. Je me suis aussi fait un café, dis donc. Est-ce que tu en veux un, Ulor, vu que nous sommes en colocation? Comment? Un café, veux-tu un café? Quand on peut. D'ailleurs, tu carbures vachement au café, toi, au boulot ou pas? Je carburais beaucoup au café. J'ai un peu réduit depuis le télétravail, étonnamment. Ouais. Bah, c'est pareil, mais moi, c'est plus parce que je suis un gros addict dégueulasse au café. Je fais que ça, boire du café. Et c'est pour bon pour la santé.
Il faut éviter trop de café, c'est dangereux pour la santé. Indeed, indeed. Alors, fichier nouveau. Paf, paf. Alors. D'ailleurs, non, si je vais rebalancer un petit truc. Un petit truc. Oui, voilà, pas truc. Bim bam. Mince, c'est où déjà? Je vais rebalancer les liens. On a un Discord qui est de type sympathique. Je t'entends marmonner en mode putain. Je lis les messages de support de la lib. Faut compiler avec clan. Alors oui, mais alors non, en fait. Faites des propositions si vous avez des refs qui vous semblent pertinentes ou tout ça. D'ailleurs, il y a un truc sur lequel on s'est toujours pas décidé avec Ulor, c'est enfin ce qu'on va se décider à un moment donné. Encore, c'est la DA, donc c'est à dire tout ce qui est la représentation graphique du jeu en lui-même. On s'est toujours pas décidé sur quoi on partait. Si vous savez, enfin, c'est pour vous dire sur quelle indécision on a réellement. Vous les signerez dans cet outil. Vas-y, hein, continue. Hein, je non, t'inquiète pas, j'ai complètement fini tes finish. Hop. Ah mais je suis où moi? Je suis où? N'importe quoi. Tu veux par là? Je peux prendre un endroit. Je vais faire n'importe quoi. Alors, incroyable mes ententes là-dessus. Du coup il faut que j'écrive ça comme ça, très bien. J'ai perdu le fichier que je cherchais. Ça commence. Le copier-coller qui va bien. Copier-coller qui va bien. Alors vraiment que je fasse quelque chose pour... pour avoir tout au même endroit et pas avoir trois terminaux différents à chaque fois, c'est chiant ça. Ok, ça remarche normalement. Par contre, on est d'accord que ça n'a rien changé. Mais quoi? Non, en gros, genre, je suis en train de voir à peu près. Le mood dans lequel j'avais destiné le jeu, histoire de donner peut-être une idée de l'ambiance que je voulais donner réellement. Mm-hmm. Et je suis en train de me dire qu'il faudrait aussi que je fasse aussi les recherches de références musicales, ou de sons, tout simplement. Il faut des rêves de tout. Hein. Ouais, il faut des rêves de tout, et c'est vrai que je sais pas pourquoi, et pourtant normalement le son est très important pour moi dans ce genre de cas. J'avais pas forcément apporté une... Parce que tout le monde oublie tout le temps le son dans la création de jeux vidéo. Ouais, non, mais c'est impressionnant. Bizarrement, le son n'apparaît jamais. Alors que c'est le premier truc que tu critiques sur pas mal de jeux, t'as beaucoup de gens qui critiquent justement, notamment le son et la DA, la bande son, pardon. Je c'est très critiqué, mais en tout cas, c'est clairement pas bien représenté. Oui, pas bien représenté, mais les gens. Quand tu sais, moi je regarde, je n'ai plus de critiques de jeux vidéo. Hein, pareil, donc, pareil. Je me critique donc. Pareil, je sais très bien à quel point c'est. Ok. Donc on est revenu à l'état initial de. On a chargé la data. C'est trop bien. Ça nous a ça pris ça. Une heure et demie. 18, quelque chose comme ça. Fact. Une heure et demie à peu près. Donc concrètement, oui, en vrai ça arrive souvent, ouais, ce genre de problème, faut pas dramatiser. Eh, comme quoi le titre du stream est bien, hein. Tu me critiques. Titre du stream, c'est que des galères. Que des galères.
Vu comme t'as galéré à lancer le stream, Oui, stream égal. Je laisse. on avait dit qu'on n'en parlait pas. C'est la journée poisson. Ouais, et pourtant il fait très beau Rien qui dehors. marche, on sait pas pourquoi. D'ailleurs, tu sais qu'il y a un fait assez marrant. Moi, je trouve qu'à chaque fois qu'il pleut, dans ma vie, ça veut dire que cette journée va être dégueulasse. C'est-à-dire que je vais avoir une mauvaise nouvelle, un mauvais truc, tu vois. À chaque fois, c'est Parce comme ça. que ta vie, c'est une drama en fait. Ouais. Donc, c'est comme Tu si, vis tu vois, ça a dans un été film écrit. dramatique. Tu sais, c'est comme si ça avait été écrit par l'autre naze là de Cage là de Quantic Dream. Parce que à chaque fois qu'il se passe un truc chez lui, c'est il pleut. Tu sais qu'il se passe un truc dans le scénar, c'est quand il pleut et que le méchant il est obligatoirement un gros dégueulasse. Tu vois, mais vraiment gros et en plus avec une hygiène pas terrible. C'est à chaque fois tu sais que c'est lui le méchant dans ce truc. Non, j'irai pas vivre dans. Attends, il y a North. Dans mon pseudo, c'est qu'il y a un truc, Gat-Gat. Je veux pas vivre dans le sud. Non, dans le sud. Il pleut dans le sud. Ah bah voilà, alors que tu vois, dans la De toute région dans façon, laquelle je suis, il si fait tu chaud. vas assez loin dans le sud, t'arrives dans le nord. Hein. Tu sais, en théorie, si je Sauf si continue t'en suis toujours la tout théorie droit. platiste. Là, Ouais. ça ne marche plus. Tu tombes, a Ouais. priori. Parce que Tu vas tu sais trop au qu'en sud. théorie, si je continue toujours tout droit dans ma vie, je reviendrai à mon point de départ. Si Ouais. je fais une ligne droite. Comme quoi, est-ce que ça sert d'avancer dans la vie si c'est pour revenir au même point de départ? Ah voilà, fuyez le sud. Ah, Tu vois tous les putain, sudistes je suis là, dans le chat, en mode genre, fuyez le sud, n'y allez pas, jamais, incroyable. D'ailleurs, la démographie, ça c'est un truc, il va falloir vraiment qu'on fasse une recherche. Je pense qu'il y aura pas mal de recherches de sources, d'articles et de statistiques qu'on va essayer d'écorcher aussi à un moment donné, c'est la démographie. Donc les personnes qui sont susceptibles de jouer à ce genre de jeu et quoi faire. En fait, c'est comment les appâter ou quoi et tout. Il y a tout ça. De quoi? Bah, la démographie du jeu, c'est-à-dire ceux qui sont intéressés par ce genre de type de Ah, jeu. ce type. Ouais, la cible, tout simplement, ouais. C'est vrai que pourquoi je suis allé partir dans. Pourquoi je suis parti dans le compliqué Je là sais comme pas ça. pourquoi t'es parti dans des cours de géographie, mais... Oui, non, moi non plus. Mais c'est à cause d'eux là, ils parlent du sud aussi dans le chat. mentalité parisienne est cool. Bah, si t'aimes bien la mentalité parisienne, Gadgad, je te mets au défi de refuser tes prochaines vacances. Parce qu'on te connaît, toi, hein, tous les 3 mois à repartir dans ton pays, là. Il a raison, après. On sait pourquoi il fuit. Après, ça dépend. Enfin bref, Comment... la cible, ouais, il va falloir de voir l'âge en moyenne, comment ça se passe. Parce que c'est vrai que je me suis jamais vraiment douté, parce que franchement, les board games de ce style-là, j'ai l'impression que ça parle vachement pour les jeunes adultes, tu vois. Les board games? Ouais, les board games comme ça, avec cet univers-là et ce système-là. Jeune Ouais, adulte, voire ado, quoi. je sais pas, je traîne pas assez dans le milieu pour dire ça. En vrai, moi, peu de personnes que je vois jouer à ce genre de jeu, oui, en effet, c'est des jeunes adultes, mais ça veut pas dire pour autant qu'il y a que des jeunes adultes qui jouent à ce Non, jeu. j'ai pas dit qu'il y avait que, mais la cible, enfin on va dire principale de la chose, tu vois. Bon, après les cibles, de toute façon, Non, je c'est sais pas en fait. pas. Il y a un type. Oui, sur loi, bah, c'est ça. C'est 20-25 ans. Pour les jeunes adultes, généralement, c'est comme ça qu'on les définit. Bah, avoir un peu plus, oui, de toute façon, en gros, c'est les moins de 30 ans, clairement. Après, le truc, c'est qu'il y a aussi le fait que notre société a pas mal évolué dans le côté geek, quand même. C'est vachement démocratisé. Ceux qui ont des réducteurs de train, les non-vieux, d'accord. Vous allez vous arrêter, hein, par contre, parce que là. C'est bon, on va commencer à. Non, mais oui, mais c'est que. Il y a ça aussi qui change, c'est-à-dire que maintenant, bah, les geeks aussi vieillissent. Donc, est-ce qu'ils continuent aussi à être geeks après Quoi? Il se passe pas grand-chose sur ma fenêtre, mais parce que je cherche un truc. Je cherche comment faire, hein, quelque chose. Du coup, ça me demande un peu de temps. Il y a beaucoup de travaux d'ailleurs chez toi, non?
Oui, je suis désolé, il y a les mecs au-dessus qui ont décidé de faire des travaux aujourd'hui. Parce que pourquoi pas, après tout. Ils vont prendre déjà en semaine, autant le faire le week-end aussi, histoire de pourrir Ah ta ouais, vie non, mais jusqu'au bout. les mecs qui s'arrêtent jamais, quoi. Alors que tu sais, moi je me sens tellement genre mal à l'aise, tu sais, quand j'essaie de monter un meuble ou quoi, ou quand il faut, tu vois, que je cloue un truc, à partir de quelle heure je peux le faire, j'essaie de le faire, il y a moins de monde et tout. Et je vois des voisins à moi qui en ont mais rien à péter, qui font ça même le soir, rien à foutre. Les joies des. Bah des. Voilà, des appartements, quoi. Par contre, j'ai mis un truc Interstellar. Peut-être changer, non? Comment ça se passe, ça? Hein? On y va? J'avoue que j'ai en fait j'ai coupé le stream pour écouter ce que tu racontais, du coup j'entends pas du tout le background, je sais pas du tout comment. Bah, j'ai mis en mode Interstellar, enfin j'ai pas un truc un peu peut-être changé, hein, pas de problème. Est-ce que ça ira mieux? Je sais pas. On va voir, hein. Et là, les gens commencent à me dire: non, c'était bien avant, vas-y, arrête! La perceuse en fond, ouais, c'est clair. Ah ouais, désolé. Ouais. Ouais, C'est terrible. Et le pire, c'est qu'il y va de plus en plus fort, j'ai l'impression. Au en début, mode ça genre: allait. ouais, c'est bon. Allez, boum! Il est samedi, il est 16h, c'est bon, on peut y aller. Hop hop hop. Salut. Discord a un outil pour ça, les copains, ça marche bien en plus. Ah ouais, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, c'est le truc de réducteur, suppression de bruit optimisé par CRISP. Ça a Chris. toujours fait copier. Pardon. Je sais pas, Ouais, moi c'est j'ai pas. pas vraiment l'impression que ça marche, hein, parce que quand je suis chez moi, j'ai l'impression que ça marche, mais absolument pas. Peut-être parce que t'as pas de bruit chez toi? Non mais si, j'en ai aussi, vas-y, arrête. Je suis pas dans une église, merde. On se demande. Comment ça? Voulez-vous développer, monsieur Hulot? Plaît-il? Plaît-il? Comment? Plaît-il? Ouh, il va falloir qu'on parle. Alors. C'est vrai que j'ai pas changé là. Tac 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 tac. On devrait ramener Gadgat en vocal pour qu'il nous explique comment charger les fichiers. C'est vrai que ce serait plus simple s'il était en vocal directement. Bon, du coup, on invite Gadgat, ça vous intéresserait? Oui. C'est surtout le Gadgat, est-ce que ça l'intéresse? Parce qu'il a peut-être pas envie de parler. Ouais. Peut-être qu'il n'est pas disposé à parler. Wesh. Wesh alors. Les Gats. Active-le pour Ulan. Oui. Je suis pas du tout d'accord avec ce qu'a dit Sage. C'est non. Ah, y a Gilgit qui essaie de fuir. Ouais, il dit non. Ouais. Non, on va se démerder, c'est pas bien grave. Oui, y a pas de problème. On ne force personne. Repérer, c'est compliqué. C'est compliqué.
Tap. Toucher un point sensible. Pas du tout! Jamais! Tic-tac-tic-tac. Water. Patapatapap. Allez, je vous mets une petite musique de fond parce que là, sinon, à un moment donné, je pense que l'ASMR de la nature, ça risque d'être un peu relou. Bon, j'espère que le son ça va, vous me direz. On va faire une tisane. Dis donc. C'est toujours plaisir à entendre. Tu sais, on dirait, tu sais, un échange en Camelot, tu sais. Mais allez vous faire une tisane. Non monsieur. Voilà, donc ça c'est toute la data qu'on a. Donc que fais-tu là, Hulor, en termes de code? Gentiment dit. Bah pour le moment je regardais tout le reste, hein. Pas beaucoup d'avancées. Mais... Ah oui? Bah oui. Sinon j'aurais dit. Donc ici on sait qu'on a trouvé le deck. Le trouver à partir de là. Bon, incroyable. Ça c'est fait. Tac. Non, pas là. Ouais, fenêtre. Lol. Super. Ah voilà, on peut inviter le maître Gadgat. D'accord. Donc, tu le fais? Ouais, on va devoir changer de groupe. Ça a tout niqué. Non, ça va le faire automatiquement, t'en fais pas. Ah, même le partage d'écran et tout? Normalement, oui. Vous avez estimé le temps que ça va vous prendre pour créer le jeu, dit ces Ninja? Tu vois, c'est cassé. Oh, mon dieu. C'est bon. Cassé. Salut. Maître Gadgat. M'entendez-vous? Oui. Parfaitement. Ah, mais du coup, faut que je coupe le vocal du stream. Ouais, t'as vu, c'est perturbant. Ouais. C'est pareil, j'ai déjà coupé du coup, sinon ça fait bizarre d'entendre deux fois la même chose. Estimez le temps que ça va vous prendre pour créer le jeu? Non. À peu près. Voilà. C'est vachement zoom. Ouais, j'ai l'impression, ouais. Alors attendez. J'arrête. Alors, concrètement, je me suis perdu entre temps. Donc, en fait, ici, on a priori vérifié que l'objet de deck existe. Deck, normalement, je peux faire un try get dessus. C'est un tableau, si je dis pas de conneries. Oui, alors le deck, c'est un objet qui a un nom et un tableau de cartes. Ok, d'accord. Donc, techniquement, il faudrait que je le charge. Parce qu'en gros, là, ici, ok, j'ai récupéré ces informations. Et encore, je les ai pas vraiment récupérées, j'ai juste vérifié qu'elles existaient. C'est ça. Ici, si je dis pas de conneries. Du coup, à partir d'ici, faudrait que je fasse un load deck ou un truc comme ça. Ouais, ça ferait que je fasse une fonction. T'as bien défini la structure deck dans ton code. Ouais, la structure deck existe dans le code. D'accord. Load deck. Bon, pour le moment, on va le foutre là. On fera ça mieux après. On fera du rangement. Du coup, si je dis pas de conneries, en paramètre, je devrais recevoir un MDF object. Un MDF RHS, même, plutôt. RHS? Ce que c'est, il y a... En const référence, du coup. Ouais. Donc ça, ce serait le deck definition. Je crois qu'il y a une majuscule à RHS, au premier. Ah! Ce qui ferait sens par rapport à la norme, en vrai. Ouais, oui, c'est ça. Falloir que tu inclues MDF slash types, je pense. Types? Ouais,
.hpp dans MDF. Yes. Sinon ça va, Gat-Gat ? .hpp. Oh, ça va, ouais. Tranquillement. Sortie prévue pour des HPP. Hop. On verra, on verra. Il sortira jamais, c'est pas le but. Il y a la hype du confinement. Crowdfunding à 2 millions d'euros. Oui. Non, même comme ça, on partira avec les 2 millions et puis c'est tout. Ah, je... Classique. Enfin, je veux dire, pourquoi on devrait faire un jeu en échange? Quelle idée. Non mais ça, on verra, de toute façon, en fait, on s'est engagé à finir le truc, mais pas le sortir, par contre, c'est on verra ce qui se passe. Non, par contre, s'il y a de l'argent qui commence à influer, on sait pas comment, par un Twitch Prime ou des conneries comme ça, bon, déjà, pour avoir la couleur avec Twitch, c'est un peu compliqué. Et merci pour le follow, Jude, comment vas-tu? Merci, Jude. Qui est Jude? C'est marrant. Le Québec représenté. Donc. La fonction ne devrait pas envoyer un deck, du coup. Ouais, si, probablement. Hein. J'ai juste mis le void pour pas qu'il m'emmerde au niveau de la compile. Peut-être même un optional de deck, si jamais t'arrives pas à charger. C'est dans NLC optional, du coup? Ouais, dans dialecte. Mais la classe est optionnelle. Comment j'ai appelé mes decks. Intéressant. Du coup, j'ai dû mettre dans les 12. Juste entre parenthèses pendant que ça code. Donc oui, donc ce que je disais, c'est que si jamais il y a de l'argent qui est dans le délire, on va expliquer en fait si jamais, comment on va le gérer. Il y aura même un livre des comptes qui sera consultable. Mais on va être très transparent, hein. C'est-à-dire que combien de pourcentage, par exemple, Twitch prend, et tout le bordel. Hein. C'est... De toute façon, vous verrez, une part, ça va être chiant à faire, mais on va le faire, histoire que vous rendez compte. Notamment pour les dépenses, où ça va. Et je pense que tu peux passer aussi de l'allocateur en paramètres, tu vas en avoir besoin. Ok, bon réveil à toi. Hein. D'ailleurs. Vu l'heure, j'imagine qu'il doit être très très tôt au Québec. J'avoue. Yep. Attends, c'est 6h, donc je crois qu'il est 9h, un truc comme ça. 9h un samedi, franchement, la foi. Son est bas par rapport à Uller et Gat-Gat. D'accord, je m'en occupe. Ton son est bas? Ouais. C'est marrant, ça. Et là, est-ce que ça va mieux? C'est vraiment bizarre, j'ai l'impression que... Que le son genre du micro est forcément plus bas que ce que t'entends. Je sais pas. C'est genre que l'entrée audio est forcément plus forte que l'entrée à... Enfin, la sortie audio qui est captée est forcément plus forte que l'entrée audio. Bizarrement. Je sais pas. Comment on peut retourner un optional raté du coup? C'est NLC de point de point nul. Ah. NLC de point nude? Quoi? Nul PTR. Juste nul. Comme ouais. Ça. Ouais. Incroyable. Il faudra que tu inclues NLC dialect nul.hpp. Ainsi que NLC dialect optionnel. NLC dialect nul.hpp. Optionnel, tu m'as dit ce qui fait sens. Et là, c'est mieux là d'ailleurs, c'est Ninja là, au niveau du son ou pas? Même je dis rien parce que pour l'instant là, c'est du code, mais. Pour plus tard. Yep, merci. S'il donne un fond au-dessus, c'est incroyable. Ouais. Je sais pas ce qu'il est en train de faire, mais il le fait. Hein. Ou elle le fait d'ailleurs. C'est long, en plus. Ouais. Ah ouais, ok. Et du coup, le. Alors, déjà. Donc, si on a bel et bien trouvé le deck. A priori, on devrait faire un load deck de. Ouais. Du coup, ce serait compile context compilation result. Root.get. Point get. Le root
Le route, il est mort. Non, plus, pas, par contre, on rentre en route pour Gatgat. Ah, voilà. J'ai eu peur, putain. Bon, Gatgat, hein. Oui. Mais là, du coup, il prend toutes les datas qui sont chargées, non? Enfin, il prend la route, en fait. La alors, route, c'est là où il y a toutes les datas. Et pour un Gat, il faut que tu mettes le nom dedans de... Ah, Deck Name View. Ouais, donc voilà, donc tu lui dis exactement ce que tu récupères ouais, ce qui est associé à cette plateforme. Name View, machin truc. Donc ça, normalement, ça nous renvoie un NLC. Attends, c'est peut-être une connerie. Ah, incroyable. Non, ça devrait marcher. Regarde si je me fais gronder. Non, je me fais gronder. Est-ce qu'il y a tes collègues là sur... Il y a les collègues qui suivent en même temps. Ouais. Ah, d'accord. Ils disent rien parce qu'ils sont là en train de dire à Gatgat, en fait, tu vois. Dis donc ! Qu'est-ce que c'est les histoires ? Qu'est-ce que tu racontes ? Exactement. Et je pense que si ton load échoue, tu peux envoyer un erreur et puis arrêter ton programme. Je pense que... Si le optional est nul. Ouais. Mais du coup, ça... Il y a une méthode pour le tester, j'imagine. Eh ben... Égal, NLC nul. Ah ! Ok. Peut-être qu'il y a un truc. Il n'y a pas un genre is valid ou un truc comme ça. Je regarde, mais je suis pas sûr. Ah, mais ça c'est forcément une erreur à MDF. On peut pas lui filer n'importe quoi. Déception. Non, si tu veux loguer une erreur, c'est NLC warn. NLC. Donc ça normalement je crois qu'il était déjà utilisé hier. Ouais. Je crois, oui. Et là tu mets des arguments, tu peux en mettre autant que tu veux, ça les concaténera. Des strings, des variables. Ah ça les concat par agglomération comme ça. Oh. Accepteur. View. Donc voilà, merci, au revoir. New error. Ok. Donc maintenant, tu peux aller. Le RHS, qu'est-ce que c'est le RHS? Le RHS, c'est un variant de plein de choses. Selon ce qui se trouve dedans. Donc, tu peux avoir un MDF object qui sera donc un map, en fait, une table associative. Un MDF array qui sera un tableau, ce que tu veux ici. Ça peut être après une chaîne de caractères, un nombre, un booléen. Tout ce qui est des... Tout ce qui est variable au final. Exactement. Donc toi ce que tu veux c'est vérifier que ça soit un tableau. Faut que je récupère le nom avant. Non. Non, le... Comment ça? Donc ça a un nom et un tableau. Ah oui d'accord, oui pardon. Donc là ce que tu veux, c'est que tu veux... C'est... Là c'est un objet en fait. Tu dois avoir un MDF object. Si c'est pas un MDF object... Ah voilà, donc c'était bien un objet qu'on devait recevoir. Alors... Donc là tu peux le check ça. Pardon. C'est quoi la ligne que vous utilisez? Voilà, c'est ce que j'avais posé. Et coucou l'Utopia, je sais pas. Salut Utopia, salut Monolith. Coucou Monolith. C'est quoi la ligne que vous utilisez, Gatgat? C'est quoi la ligne qu'on utilise? Alors, c'est un petit moteur expérimental qu'on fait avec des... Oh, gag. Un petit moment. Bah ouais, ça forcément c'est la question qui va revenir, faudrait faire une FAQ. Oui, ce serait bien, comme ça on pourrait la dire ouais, aussi pendant les lives. Et du coup c'est quelque chose que pour l'instant on travaille dessus, c'est... on n'est pas en train de faire des petits jeux derrière, mais c'est pas tout à fait fini. Et du coup quand... parce que Lore t'as parlé sur stream, je vais proposer d'utiliser notre petit framework pour le tester, pour qu'il soit utilisé en pratique, et puis voilà, avoir des avis extérieurs. Donc pour l'instant on peut... pour pouvoir crash test un peu le machin. Exactement. Ce qui a déjà prouvé son utilité. Parce voilà. On a debunk un crash de loading MDF. Exactement, puis ça permet aussi de nous savoir ce qui manque comme information, parce que là je fais un peu le suivi, parce qu'on a aucune doc ni rien, mais. Petit c'est chaud. Il te rajoute des choses pour que Ulor puisse s'en sortir, selon ce qu'il me dit. D'ailleurs, peut-être un petit rappel, messieurs, qu'est-ce qu'une nib pour ceux qui ne sont pas dans le milieu? Oui. Oh là là, Gatgat, qu'est-ce qu'une nib? Ah, une lib, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de fonctions, d'objets qui peuvent faciliter, en tout cas,
un objectif, on va dire. On va se donner un objectif avec une lib. Que ce soit, par exemple, fournir tous les outils nécessaires à un jeu vidéo. Merci, ou, de manière plus atomique, pouvoir zipper, dézipper un objet, par exemple, un fichier. Dans les deux cas, ce sera une lib qui sera produite. Du coup, c'est pour, on va dire, avoir du développement dynamique. Voilà, je sais pas si on a besoin d'aller plus dans le détail. Par exemple, là, on a la librairie qui permet de lire les fichiers de données qu'on a écrit au dernier, que Mulor a écrit au dernier stream. Et là, on est en train d'utiliser cette librairie pour le transformer en objet qu'on peut utiliser dans le programme. On essaye. Alors, deux choses. Merci Lutopia pour ton follow, ça fait vachement plaisir, LOLMDR, tout le barda d'influenceurs, slash streamers, slash youtubeurs qui veulent réussir, merci. C'est Ninja, pour ta question, effectivement, ce mercredi, il y aura une ref hunting. Voilà. Merci encore Lutopia, hein, bisous hein. Le pognon. Et merci Lutopia. Merci Lutopia. Voilà. Enfin, Lutopara, voilà. Du top 1 à 3. Quelle heure? Alors, normalement, soyons, c'est le soir. Vers 21h. Alors, le mercredi, c'est le soir. Ouais, ouais, vers 21h, quelque chose comme ça, en fait. C'est vraiment. Chill. Chill, chill. Du coup, j'arrive pas à trouver le RHS ouais. En vrai. Non, en roulis, toujours. Je sais pas où il est. Non, fait toujours en roulis. Il est bah, dans MDF tips.hpp. Ah, bah, j'ai regardé dans le fichier, je le trouve pas, je sais pas. Je dois être des. Mais ou dans types underscore fwd. Ouais, voilà, je pense que c'est pas le bon fichier. Mais... Ouais, il est là-dedans. Ouais, ouais using RHS. Ouais. Oui, parce que c'est pas un vrai type en fait. Si non, c'est. Un RHS, c'est. Ça... Oui, exactement. Ça peut être. C'est un truc qui peut être n'importe plein de trucs différents. En fait. Du coup, en fait, ce que tu préfères, parce que là, si tu essayes de récupérer en object directement et que c'est pas un object, tu vas avoir un assert et ça va crash. Ouais, justement. Les variants, c'est dans container ou dans. C'est dans direct. Mais là, t'as une méthode même sur. Ah oui, non, c'est dans les variants du coup. Que c'est un variant. Comment t'as la méthode is sur les variantes. Is et après en template ça prend le type que tu veux. Enfin l'énum. L'énum quoi ouais. T'as une énum qui est MDF kind. Si le deck def du coup c'est, tu m'as dit la méthode c'est is. Ouais. Point is. Ensuite en template. C'est un paramètre. Non c'est un paramètre template. Template ouais. Le is il est en minuscule par contre. Toutes ces normes qui rentrent en conflit, c'est incroyable. Object. Il est à... Non, tu MDF de point de point kind de point object. Donc c'est l'énumération. Kind, il y a un majuscule aussi, du coup. Ouais. Donc ça. Voilà, exactement. A priori, ça devrait marcher. Exactement. Ça y est, j'ai enfin trouvé le variant. Ah, tu l'as. C'est le variant breton. Pardon. Ouf, je sais moi, pas si c'était moi. Vraiment utile. Non. En fait, si ce n'est pas ça. Ouais. Pas. Je peux renvoyer. Oh, cette hésitation entre copier-coller ou pas. Oh là là. Copier-coller, c'est mal. Ouais, pourquoi d'ailleurs pour c'est mal de copier-coller? Wink wink, question qu'on pourrait nous poser. Wink wink. Ça fait plein d'erreurs le copier-coller. Parce que oui, quand on copie-colle, on oublie de changer les trucs qu'il faut changer. Du coup, ça insère des bugs, étonnamment. Mais on le fait quand même. Juste, on le dit pas. Et voilà. Et ben voilà. Si on ne vend pas. Ah oui, non, faut pas. Coup, maintenant, le variant. Le variant. Ce mot a une toute autre connotation. Hein. Comme ça. Ouais, il y a un get. Hein. Alors en fait, on va pas utiliser directement le variant. Parce qu'il y a une méthode dans FDF. Permet de faire de résoudre les références et ce genre de trucs. Quoi ? Qui s'appelle incroyable. MDF Unwrap. Mais c'est incroyable, Kedgar. C'est fou. Alors MDF Unwrap. Je suis mais tout est moustifié. Et on Unwrap le deck Unwrap, death. Tu
ouais, il faut que tu lui donnes le type que tu veux, donc un MDF object. En template, j'imagine. En template, exactement. Hop, hop, hop. On va se mettre le linéaire. Et ça, du coup, en fait, il fait quoi derrière? Il teste que c'est bien de ce type-là et tout ça? Il va pas tester, il va le wrap comme un gros sale. Mais si c'est une référence, eh ben, il va. Si par exemple là dans deck ref, dans deck deck, t'as une référence, il va remonter toute la pile pour savoir avoir le vrai objet qu'il y a derrière. D'accord. Ça va te renvoyer un const MDF object référent. Const MDF object. Le premier. C'est bizarre d'entendre référent. Vous en sortez, demande Monoli. Oui. Très bien. Non, parce que de loin ça a pas l'air. Hein. Ah, si ça avance, on fait une ligne à la minute. Sais, c'est pour la blague. Incroyable. On n'a jamais été aussi véloce dans la création de jeux vidéo. Tu veux suivre la convention de code qu'on a, on met les constes à droite. Ah, oui, c'est vrai. D'ailleurs, Gadgad, pendant qu'on t'a sous la main, quel est ton rôle dans le monde du jeu vidéo? Pour ceux qui nous écoutent, je travaille. Tu te travailles, c'est tout ce que t'as à dire là-dessus, vraiment. En tant que programmeur gameplay. Sauf que en pratique, je fais pas du gameplay non plus. C'est marrant, moi je suis gameplay programmeur, je fais pas de gameplay. C'est une redondance dans le jeu vidéo, cette histoire de mettre gameplay partout et personne fait du gameplay. Ouais, c'est fantastique. Incroyable. Je sais même plus si j'ai dit où je travaillais, moi j'espère que... Non, tu n'as pas dit. Ah bah. Ça vous saura jamais. Comme ça, eux ne sauront jamais et ils pourront jamais m'emmerder. Allez. C'est pas vrai, ils vont me reconnaître. La technique. Non mais d'ailleurs, Gadgat, moi je te pose la question tout simplement, mais t'es pas obligé de répondre avec plein d'informations. Hein. C'est juste pour que les gens se rendent compte. Enfin, ne prends pas mal. Hein. C'est pas, je le dis pas de façon méchante, mais pourquoi t'es là en fait? Tu vois. Quasiment tous les gens qui travaillent dans le jeu vidéo, ils sont sous NDA. Savoir qu'ils n'ont pas le droit de parler de ce qu'ils font dans leur taf. Yes. Tout est secret défense dans le jeu vidéo. Exactement. Donc techniquement déjà ce que j'ai dit, ce que je faisais au taf, c'était trop d'informations. Oui, mais on peut pas te link à une personne et à une société en particulier. Je veux dire. Il pourrait. Franchement, il pourrait. Là, il y a assez d'informations pour qu'il soit capable de retrouver qui c'est. Ah la vache. Ouais. Ah ouais, j'ai donné que deux informations sur ce que j'ai fait au taf, mais c'est. Bah. C'est typiquement, bah, comme je le disais, il y avait que moi jusqu'à décembre au taf qui faisait ça. Et ça, tu vas me dire que c'est suffisant pour te localiser? Ah oui, ils peuvent me localiser facilement avec ça. Mais oh là là, incroyable. Attends, après, faudrait qu'ils cherchent. Faudrait qu'ils aient suspicion que il se passe un truc. Mais chelou, genre. De chercher qui est cette personne. Genre, pourquoi ils me chercheraient, je sais pas. Mais... Bah oui, parce que t'as pas partagé ce que tu as, sur quoi t'as bossé, sur quel asset, sur rien du tout en fait. Techniquement j'en ai trop dit. Quoi, juste ton poste dans ta vie active, c'est tout, ça suffirait. Ah non, parce que je t'écris vite fait ce que je faisais au taf, tu vois. Mais t'as rien dit pratiquement, ça va à tout le monde. C'est la recette interne, donc c'est illégal d'en parler. Ah non, c'est con le jeu vidéo. C'est très con. Et Gadgad, c'est la même chose dans ta boîte qu'on aura censurée pendant le replay? J'ose espérer que c'est une blague et que tu dis ça pour dire ouais, je sais pas qui tu es, mais si c'est pas ça, c'est la merde parce que je vais avoir du mal à me répéter. Après, je pense qu'on a des vies bien remplies, on n'a pas le temps de mener l'enquête. Non, mais il y a des gens qui sont payés pour ça, ça s'appelle des RH. Ils sont là pour t'emmerder. Ils sont là pour te détruire, techniquement. Donc voilà. Oui, c'est pour ça qu'on utilise nos pseudos. Comme ça, c'est des noms de code. Ah, tu veux dire des noms de code au niveau des boîtes qu'on représenterait? Gadget qui disait quoi? Non, j'ai été con. Je sais pas à propos de quoi tu disais ça. Mais... Bref. Bref, continuons le. Le code. Le code, oui, vite. Vite, vite. Le code. Faut ban les tops. Ouais, oui, il faut le reconnaître, c'est surtout ça le problème en fait. Norslem lance un jet de dés pour découvrir les tops. Échec critique. Les gens racontent que l'ice a fait fuir les RH, mais on n'est pas tout à fait sûr. Les lice? C'est très modo ça, mais on n'a pas de modo. Incroyable.
Alors, oui, techniquement, il y a deux modos, mais... Ah bon, il y a des modos? Il y a des gens qui ont le pouvoir de modération? Bah, toi et moi, techniquement. Ah non, oui, non, mais voilà, mais je veux dire, nous, on est en live, en fait. Bah non, tu fais rien. C'est ni, ça suffit, hein, avec ça, hein. Je travaille, ouais, moi aussi. Faut s'en occuper, c'est vrai. Norse, tu devrais chasser les RH. Mais... J'entends ma concession automobile. Bah oui, en vrai. On fait des jeux de qualité. J'ai travaillé sur une petite Toyota là. Du coup, on peut avancer. Donc le unwrap, en fait, il fait pas plus de check qu'un get au final. C'est ça que tu me disais. Non, si tu unwrap dans le mauvais type, ça va aussi à certes. Ah ouais, c'est genre au final, si je fais n'importe quoi sur mon typage. Ouais, donc il explose lamentablement, et il ne protège pas particulièrement. Ouais. Du coup, elle sert à quoi la méthode? En vrai, ça t'évite d'être casté? Genre. À résoudre les références. Ah oui, à résoudre les refs, ouais, ça. Et je vois toutes ces choses, on le dira dans l'oreillette. Ah, on te dit dans l'oreillette, ouais. Ta connexion avec. Le monde spirituel, Gat-Gat, m'impressionnera toujours. Tiens, t'as vu ça? C'est naturel. Donc voilà, donc là... Je suis en train de voir la discussion sur le support, c'était rock'n'roll. ok, donc admettons... Donc là, normalement, ça me renvoie l'objet. L'objet qui, lui, du coup, est un MDF object. Donc le MDF object, c'est dans types. Ouais. Donc, ah, du coup, faut que j'inclue types forward, non? Non, il est inclus par types. Ouais, bon. Je pense. On peut quand même l'inclure, ça fait pas de mal, en vrai. Ça fait pas de mal. C'est type forward. Types? Ouais, types. Yori, nous, on n'a pas oublié les pragma ones. Donc ensuite un MDF object, qu'est-ce que c'est? Ah, il y a la méthode unwrap ici, tiens, j'ai de la trouver. Ouais. Il y en a dans. Ouais, alors, qui va appeler la méthode unwrap qu'on a utilisée. Donc en gros, un MDF object, c'est un objet qui a une. C'est comme une HMAP en fait, entre qui fait un lien entre un nom d'objet et puis ce à quoi tu l'associes. Donc là-dedans, tu vas pouvoir récupérer le nom et puis ton ensemble de cartes. Ouais. N'hésitez pas à donner des définitions des fois, messieurs. Pardon. Donc une HMAP, c'est ça? Oui, t'as parlé de HMAP. Une HMAP, c'est un objet qu'on utilise dans un concept général de programmation. Ça sert à stocker des objets par paire entre une clé et une valeur. Donc ça, par exemple, là, dans le sur la définition des données, je vais tenter un coup de pression. Un coup de poker sur Ulor pour qu'il change de fichier. Comment? Tu peux remettre, j'ai pas entendu, j'ai toujours le marteau piqueur au-dessus de moi, c'est super chaud. Tu peux remettre le fichier de données où il y a le deck. S'il te plaît. Et oui, bah non, parce que je demande, voilà. Parce que même avant que c'est Ninja demande, c'est vrai qu'il faut donner un peu les définitions, parce que c'est aussi un peu ça le but de ce stream. C'est... Ah ouais, mais je suis pas... Ne t'en fais pas, Gat-Gat, ne t'en fais pas, on t'aime quand même, y a pas de soucis. On sait pas forcément quel terme on emploie, on fait pas forcément gaffe. C'est pas facile de tout définir. Donc ici, dans le deck, si vous regardez ce qu'il y a entre les parenthèses, on a à chaque fois un nom. Donc les noms sont names et cards, et derrière, un objet qui est associé. C'est ça qu'on appelle une clé, une valeur. Donc la clé, ça va être le nom, et la valeur, ça va être l'objet qu'il y a derrière. Et donc une HMAP, c'est un ensemble de clés et de valeurs, en gros. Alors, pour ceux qui sont pas du tout dans la programmation, je sais, ça fait vraiment expliquez-nous un peu comment on pète, mais clairement,
quel est l'intérêt de faire ce genre de choses en fait, la valeur et tout ça, enfin toutes ces petites choses là de programmation. Associer une clé à une valeur. Ouais. Qu'est-ce qu'une clé, qu'est-ce qu'une valeur. Ça permet de structurer en fait tes données pour que ça reste en fait lisible d'une part, tout en étant utilisable assez rapidement par l'ordinateur en fait. Parce qu'on pourrait par exemple admettre que voilà, la description d'index est forcément d'abord un nom et ensuite une carte, enfin un ensemble de cartes. Dans ce cas-là, on n'aurait peut-être pas besoin de mettre la clé dedans et on pourrait dire bah voilà, les clés elles sont déterminées par le logiciel, mais dans ce cas-là, si quelqu'un inverse les deux, tout explose. Pour rien au final, parce que bah ça peut être légitime de vouloir mettre les cartes avant le nom, et c'est pas forcément très grave. Ce qu'il faut vraiment enfin, expliquer. Dans ce cas concret, ouais, dans ce cas concret c'est ça qui va nous permettre de rester assez logique. Après, il y a aussi l'aspect que tout est dynamique, c'est-à-dire que ces objets-là qu'on a créés en MDF, ils n'existent pas en code au niveau de la librairie. Ils existent en code au niveau de l'exécutable. Donc la librairie, elle n'a pas connaissance de quels objets on va créer et comment on va les créer. Donc en fait, on peut, avec une HMAP, on va pouvoir mettre autant de clés valeurs qu'on veut. La librairie, elle est complètement dissociée de ça. Elle n'a pas à connaître les valeurs qu'il y a dedans, en fait. Enfin, je sais pas si Gadget, t'as un truc à rajouter là-dessus. Parce qu'il faut partir du principe qu'il faut tout expliquer au programme. Hein. C'est-à-dire qu'est-ce qui est quoi, qu'est-ce qu'il doit faire. Enfin, vraiment, c'est ouais, limite. Le programme, c'est un enchaînement d'opérations. Donc, lui, il a pas de logique derrière. C'est ça qu'il faut bien faire attention. Donc, c'est pour ça que quand on définit de la data, il faut qu'il arrive à comprendre comment la data est structurée. Il faut qu'il arrive à exploiter les informations de la data et savoir où les retrouver. Et ben voilà, c'est déjà une grosse part en fait de la programmation, l'air de rien. C'est comme si en gros, pour l'analogie, c'est comme si en gros il fallait expliquer au corps humain comment il devait fonctionner. Genre respirer, sinon il n'a pas de machin et tout ça en fait. C'est comme si tu programmais ton poumon de dire bon voilà, quand tu reçois ça il faut que tu fasses ça et tout ça voilà. Ouais, tu peux comparer ça aux enzymes, tu vois. Alors les enzymes qui vont briser les molécules et récupérer les informations nécessaires pour enfin les informations coup les protéines je crois nécessaires au fonctionnement. J'allais dans le plus grossier parce que si maintenant derrière on a un qui nous dit ouais mais moi je comprends pas c'est quoi une enzyme, on n'est pas dans le train, humain. Oh, voilà. Donc non ouais, voilà, moi tu vois j'ai essayé de faire un truc simple, peut-être un peu éloigné mais simple, toi t'arrives directement avec tes enzymes, faut arrêter de se quand même, mince alors. Désolé. Voilà, bah oui, bah super. D'ailleurs, il y a aussi une logique derrière pourquoi tu t'occupes de telle chose avant de d'écrire pour la suite du fonctionnement et tout ça, du gameplay. Il y a aussi ça aussi peut-être qu'il faut expliquer parce qu'il y en a peut-être certains qui n'ont jamais touché ce genre de choses et qui pensent qu'ils peuvent y aller dans le random total, je sais pas, moi, définir déjà les attaques et les défenses avant même d'expliquer certaines choses avant, quoi. Tu peux partir à pleine balle dans ce qui te plairait en premier. Ah dans celui-là on peut, parce que généralement pour les trucs pour amateurs comme Godot, pour programmeur. Ouais. Fin... Mais non mais enfin en fait tu peux faire dans l'ordre que tu veux concrètement. Hein, c'est toujours tu peux, sauf qu'en fait il y a un moment ou un autre tu vas finir par te retrouver plus ou moins soit coincé parce que t'as pas les informations, soit parce que t'as pas les assets. Soit parce que en fait tu es dépendant d'un autre système. Si tu arrives dans ces cas-là, tu vas avoir une tendance à faire du code de debug en fait entre guillemets pour dire bah voilà ce truc-là n'existe pas encore mais admettons il va fonctionner comme ça. Et du coup bah ça permet à ton système à toi de fonctionner mais c'est du code qui est voué à être détruit, à être viré, à être remplacé par un autre système. C'est pas grave en soi, mais c'est con de faire du taf pour rien, en fait. Parce que concrètement, c'est littéralement, genre, ce taf ne servira à rien. Parce qu'il est juste là pour tester la feature que t'as faite. Mmh. Et il est voué à être dégagé. Donc, Après, c'est carrément possible de faire ça. Hein. Il y a plein de gens qui font ça, et ça marche dans certains cas. Il y en a d'autres où c'est plus une perte de temps qu'autre chose. Concrètement, c'est plus une préférence, je pense. Enfin...
Parce qu'après, moi, personnellement, quand je travaille, j'ai pas forcément besoin d'avoir un visuel qui m'explique que je, si ça a marché ou pas. D'accord. C'est ça le truc aussi. Il y a des gens qui fonctionnent beaucoup au visuel. Il y en a qui ont besoin de voir un changement dans la fenêtre pour se dire là, c'est bon, ça marche. Et il y en a d'autres, non. Donc, ça, après, du coup, c'est des déformations plus ou moins professionnelles sur qu'est-ce que tu as pu travailler dans ta vie, quoi. Enfin, je pense que GetGet pourra peut-être confirmer, infirmer. Mais ouais, il y a des gens qui ont du mal quand il n'y a pas de feedback visuel de ça marche ou ça marche pas, quoi. D'accord. À mon sens. GetGet, une réaction ? D'accord. D'accord. La chose. Le diat ? D'accord. On dirait que c'est le mec, c'est genre trop en quoi, tu sais, dans les interactions sociales, tu sais, on lui demande tu veux quoi, du rouge ou du blanc ? D'accord. Ou tu sais, ça me rappelle le mec là, tu sais, qui répond ok. Qu'est-ce que tu disais, GetGet ? Je disais, ça correspond pas du tout à ma personnalité. Non, clairement, oui, quand on te connaît en vrai, non, c'est clair. Hein, au bar, t'es pas comme ça, hein, dis donc. Bon, c'est pas, hein, ça va bientôt faire un an. C'est vrai. J'ai oublié ton visage, 4x4. Quelque part, ça me rassure un peu. Ah, on en est là. Commencez pas, hein, monsieur, hein, parce que moi aussi, hein, j'ai des doses. Hein. Donc, un objet, il a les objets, les fonctions pour get, les informations qu'on a besoin d'avoir. Donc, je suis en train de regarder l'interface. Bah en fait, le route que tu avais dans les compilations résultes, c'était un MDF object. Ouais, c'est ça, c'est un objet. Hein, donc, il a le has, le get, je crois qu'il a un try get à ce qui paraît, mais je l'ai pas trouvé. Je suis pas sûr de ça, ouais, qu'il a un try get. Moi, j'avais vu du code qui faisait un try get, mais c'était peut-être pas sur un MDF object. Sur une HMAP, je pense. Ouais. En effet. Ouais, carrément, ouais, c'était carrément une HMAP. Donc, techniquement, on a ici. Il va nous falloir les noms des champs qu'on va chercher, a priori. Exactement. Donc là, ce qu'il faut jamais faire. Ah oui, ce que je voulais te dire l'autre fois, c'est que par rapport à comment tu as défini ton. Qu'est-ce que j'ai défini ? Donc deck desk name en tableau de caractère dans le code. 86. Ouais, genre comme là, ouais. Il n'y a pas besoin de faire une variable pour la view en fait, parce que là il y a un constructeur implicite. Ah, si tu lui envoies le tableau de caractère, il peut le construire. Donc ça, c'est pas nécessaire en fait. Ça, c'est pas nécessaire. Ça dégage. Hein. Voilà. Très bien ça. Ça fait moins de variables, c'est bien, on aime bien ça. Exactement. Et attention que tu l'as utilisé aussi dans le warn. Ligne 103, t'as utilisé la view. Incroyable. Quelle vision. Vision d'aigle. Tout à fait. Une vision d'aigle incroyable. Mais vous avez une vision incroyable, GetGet. Et grâce quelle à mes super lunettes de la Cogip. Mais quelle incroyable présence d'esprit que vous avez là, monsieur GetGet. Incroyable. Donc. Si a priori on peut y aller comme des ouf en fait. Si deck. Je me disais deck dev, c'est un nom bizarre. C'est deck dev. Deck dev. Non, c'est pas deck dev, du coup c'est deck object. As. Deck desk. Name. S'il l'a pas ouf. Objet as desk cuts. Le return de panique.
fait, pour expliquer ce qu'on fait, c'est qu'on vérifie que l'objet dans les datas a bien ces deux... Les deux champs. Et, là. Mmh. Et si c'est pas le cas, on renvoie nul, qui est une valeur pour dire qu'on n'a pas réussi du coup à faire le chargement du deck. C'est une valeur d'échec. Et à partir de là, a priori, on peut construire directement le deck descripteur. Alors il n'a pas de constructeur, donc normalement le constructeur par défaut il prend les paramètres comme il faut. Moi ouais, je peux même utiliser le truc. Ouais, je pense l'instancier sans rien dire. Ouais, et après tu remplis tes champs. Au fur et à mesure. Si je renvoie un deck descripteur, ouais. Est-ce qu'il va convertir en optionnel directement comme il faut, comme un grand garçon? Oui, ouais. Tout à fait. C'est le deck descripteur, on peut lui envoyer normalement. On peut faire l'initialisation à une place, non? Ouais, mais par contre là, tu vas quand même peut-être vouloir tester que les objets que tu as qui correspondent à tes clés, ils sont du bon type. Ah, parce qu'il y a que le as pour le coup sur celui-là. Enfin, il y a que le get. Ouais. Derrière, il faut que tu fasses pareil, un unwrap et. Ah, unwrap? Ah, il fait le unwrap quand tu fais un get. Non, le get il va te renvoyer un RHS. Et après c'est à toi de faire le unwrap. A moins que t'aies un get template, je ne sais pas. Je sais pas le get qui prend une. En fait il renvoie un unwrap T. Qu'est-ce que le unwrap T? Ah bah ça doit être bon alors. T. Du coup. Ah oui, mais par contre, ce get il est pas du tout sécurisé. Donc, si t'es pas le bon type, ça va mal se passer. Ouais, c'est ce que j'allais dire là, par contre, il est pas. Parce qu'il fait un unwrap directement. Mais du coup, c'est pas. Je peux quand même avoir du coup rien parce que c'est pas le bon type qui m'est retourné quoi. J'ai mis quoi en type de string? String. Donc, c'est string name. String desk name. Faut vraiment que je règle l'autocomplétion. J'en peux plus. Oui. Et du coup, c'est ce je peux directement récupérer un NLC vector. Par contre, pour la string, tu récupéreras pas directement une string, tu récupères une string view. Et après, ça va être à toi de le copier avec un allocateur pour le mettre dans ta string. Ok. Ouais, donc il te renvoie bien la string view. Il te renvoie des trucs. Et pour le vecteur, ça se passe comment? Je pense que tu peux laisser un NLC string en type. Et un NLC string, si tu lui passes un paramètre. Dans le get? Dans le get, il faut que tu get un string view. Par ouais, contre... voilà. Je récupère un string view. Ici, c'est un string view. Ah, tu veux dire ici, en fait, le type, je pourrais genre récupérer directement un string. C'est ça. En utilisant la string view et un allocateur. Comment est-ce que tu vas, mon cher Nico? Donc, allocateur en premier argument et string view en deuxième argument. Comme ça, a priori. Ouais. Et le vecteur, ça se récupère directement ou c'est non, bien. C'est un peu particulier, il faut que tu récupères un MDF array. C'est bien ce qui me semble, ce serait pas simple. Oh, putain. C'est un MDF array. Ouais, en plus.
Comment? Le MDF arrêt, c'est une majuscule arrêt. Et en fait. Alors que sur String, il n'y en a pas? Parce qu'il y a. En fait, on n'a pas la même norme entre NLC et c'était pas NLC. Ok. Excellent. Et donc, arrêt, en fait. Je suis en train de regarder comment tu convertis en. Ok. Alors en fait, tu vas devoir faire une itération dessus pour le transformer en vecteur. Et ce que tu peux faire, en fait, les arrays en soi, tu peux pas accéder aux éléments. Il faut que tu appelles la méthode elements dessus, qui est templatée sur le type d'élément que tu veux. Renvoie un. Te renvoie, si tu vas dans le code, qui te renvoie un proxy, un MDF array proxy. Et sur ce proxy là, tu peux du coup itérer et récupérer les éléments. Je suis perdu. Alors attends, est-ce que déjà on peut vérifier que le name est bon ou pas? Il n'y a pas de truc string valide ou quoi? Non. Et Roger, je vérifier s'il a une taille différente 0 quoi. De quoi, tu veux vérifier quoi? Qu'il soit. Parce que là, si le name il est pas du bon type, je peux pas le savoir. Bah, que je te disais, s'il est pas du bon type, le get va y jouer en fait. Quand tu fais take object.get string view. Ah oui! C'est pas bien ça. Donc il faudrait que tu. Donc alors, soit tu le fais comme ça et tu dis s'il y a une erreur, bah ça va. Là, ça va. Ça pète. Crash ton programme. Soit avant tu testes, c'est-à-dire que tu fais un get pas typé, et après tu vérifies le type comme on a fait pour le deck def, en gros. Explication time. Que faites-vous? On essaie de rendre le programme sécurisé. Pas si simple que ça. Alors après là, il y a des soucis de. Enfin, ça devrait être plus simple parce que. L'interface du MDF a été faite il y a un petit peu de temps. Et maintenant on a des meilleures façons de gérer les erreurs. Mais là du coup faut faire ça un peu. À l'huile de coude peu... Voilà, c'est ça. Parce que quand on est en train de préparer une deuxième version de langage de données et de l'interfaçage. D'ailleurs... On a plus temps de faire tout ça. Mais... Mais d'ailleurs, vous taffez dessus très activement ou c'est vraiment un truc en plus du boulot genre vraiment, vous y consacrez votre temps libre dessus? Alors c'est complètement sur du temps libre. D'accord. Mais ils y travaillent activement. Non mais oui, c'est ça, actif selon la motivation de chacun. Non mais l'un n'empêche pas l'autre quoi. Ça dépend vraiment des gens qui travaillent dessus, s'ils sont motivés ou pas. Et vous êtes combien sans discrétion? Si jamais tu peux pas répondre, tu dis 400 000. À 400 000. D'accord. Donc plus de 400. Bien... Vous êtes 400 000. Incroyable ça. C'est fou, hein. Du coup, tu me disais, on peut faire des get non typés. Oui. Il me renvoie quoi du coup? Il me renvoie un MDF object? Un MDF RHS. RHS? Mais qu'est-ce que donc que ceci? C'est ce qu'on avait pour le deck def tout à l'heure. C'est un objet qui peut être. C'est un type un peu. C'est un type qui n'existe pas vraiment. C'est un métamorphe en fait. C'est un type qui est derrière. Il y a un vrai type derrière, mais tu sais pas trop lequel. Ça peut être plusieurs types différents. On peut pas, ouais. On peut pas déterminer lequel. Enfin, on peut demander si c'est celui-là. Ou quoi. Exactement. Ouais, donc en fait, au lieu de faire un get, je fais un get RHS au final. Ouais, enfin, c'est un get tout court, mais sans le type. Ah bon? Ouais, bah comme t'as fait là avec la route. Ah oui, d'accord. Ouais. Parce que je voyais le get RHS, mais en fait il fait un wrap dessus. Ce qu'on a fait au-dessus en fait. Oui, ah quoique, ouais. Oui. Je pense que le get RHS c'est le premier programme. Est-ce que ça va dans le chat? Est-ce que vous êtes pas trop assommé pour ceux qui sont pas dans ce délire là? Je sais que ça peut paraître un peu barbare, mais c'est important. Tout le monde est mort, les mecs. Ils sont morts. On les a tués.
C'est les rachats qui les ont achevés. On va dire un bon. À l'aide. Ouais, donc on va essayer de sécuriser ça quand même. Parce que, je sais pas. C'est des MDF RHS, on est d'accord. Des MDF RHS. Ah oui, ils sont bien bien morts là, il y a vraiment. Mon céphalogramme il est chaud zéro là. Du coup, c'est un is. Allez. C'est un is quoi. MDF, kind, je pense, string. C'est dans tips qu'on verrait ça. Le tips forward. Dans types, ouais. Types, types, types. Tout au début. On a NLC string view. Donc techniquement, ce serait is NLC string view. Dans non. MDF kind, l'énumération kind. Tout en haut de types. Ah, mais kind. Elle est définie où, Kane? Dans types.hpp. Je fais des oscillations entre types et types for. Ah. Ah oui, d'accord, donc c'est Kane de string. Ok. Exactement. Bon. Alors, du coup, ouais, ok. Ouais. Ok. MDF string. Le string. C'est MDF kind string. Oh putain. C'est terrible ça. Incroyable. Ça. Tout à fait. Tout à fait. Ce petit tout à fait que tu nous as fait, Gadgat. Oui. Oui. Donc techniquement là c'est à peu près pareil. On fera un MDF RHS de. Get these cards. Cards. Ashes is MDF kind. Et celui-là, ce sera un arrêt du coup. Si ce n'est pas un arrêt, la panique. Bonjour, c'est la panique. Silence. Alors, pouf. Parce que moi, du coup, tac tac, ça je fais ça comme ça. Et du coup, il n'y a pas de système de gestion d'erreur de base comme ça pour dire « Ah, t'as essayé de mettre une string dans un bool. » Pardon. Non, mais c'était facile, mais pardon. Oui, non, oui. Il y a des blagues à faire. Je pense string view, il y a un underscore entre string et view, en fait, non? Tout à fait. Je l'ai vu passer. Mais... J'ai cafeté. Du coup, effectivement, non, il n'y a pas de... Pas pour ce thème là parce que voilà, c'est prévu la... en fait dans la prochaine version tu n'auras pas tout ce système là de parsing parce que les toutes les fichiers que tu as défini toi de ton côté qui vont représenter les données, ouais, il va créer les objets directement, il n'y aura pas les chercher du code généré et du coup tu n'auras pas toute cette phase là à faire à la main, mais tu refais donc sur cette version là on... Ça n'a pas été trop poussé le système de gestion d'erreur tout ça avant seulement qu'on allait le refaire. Je vois. Incroyable. Moi je le vois. Ah oui, donc là on a un arrêt donc. Alors l'arrêt. L'arrêt. Du coup tu me disais il y a un truc. J'appelle la méthode element dessus, je pense. Tu peux le faire directement dans la ligne. Ouais. Incroyable ça. Ça te renvoie. C'est quoi que t'as toi dedans du coup? C'est des objets encore? Normalement ouais, c'est des objets du coup. Ok. Donc tu peux faire un point element complété sur mdf object. Mais du coup il te renvoie quoi element?
te renvoie un arrêt de point de point proxy. Ouais, il te renvoie le proxy templété sur le. C'est ça. Le type que tu veux. Okay. Permet d'accéder de savoir combien t'as d'éléments. Parce que l'arrêt en lui-même, en fait, on s'en fout. On peut pas s'en servir à part pour créer le proxy. C'est ça. En fait, l'arrêt, il est pas. Il a aucune conscience de quel type d'objet il y a à l'intérieur. Et c'est grâce au proxy que tu vas lui dire, c'est un tableau de ce type-là. Donc ici d'objet qui va te permettre d'y accéder. Comme ça, du coup. Ouais. Ok, et après du coup faut itérer sur le proxy directement. Exactement. En autre chose. Ah attends, j'ai peut-être des outils. Ah tu peux itérer directement sur le tableau, mais du coup dans ce cas là tu récupères des MDF RHS à chaque fois, donc t'es obligé de checker le type de tout le temps. Alors que si tu veux sur le proxy, du coup il est checké qu'une seule fois. C'est ça. Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait de. Il n'y a pas d'itérateur sur le proxy, donc il faut faire une boucle avec un i qui s'incrémente sur la. Jusqu'à. Jusqu'à S-Raise. C'est ça. Et du coup, c'est là où on se mange les types que vous avez définis. Ça. C'est-à-dire. Genre l'opérateur crochet, il utilise un useSize. Oui. Du coup, faut que mon itérateur ce soit un useSize, quoi. C'est ça. Incroyable fonction tout. Ah quoi que j'ai dit des bêtises. Parce que l'itérateur il est templaté aussi sur le type. Donc en fait, tu peux faire un for each, un for avec le support syntaxique et tout ça, ça devrait marcher. Object const. Ouais. Ça m'envoie des const, on est d'accord, non ? C'est des const références. Ouais. D'ailleurs, pareil, quand tu récupères les RHS, c'est des const ref aussi. Ah oui, ouais, faut voir que je fasse ça. Que du coup, directement, il te reste sur CardsDesk, quoi, tu me dis. Ouais. C'est ça que tu voulais me dire. Donc, c'est ici. Non, c'est à droite. Oh là là. Mais je suis pas sûr que ça supporte bien la copie. J'avoue que ouais, là-dessus, c'est peut-être quand même assez grave. Ça. Et du coup là on a à chaque fois un objet, donc faut que je me fasse mon propre vecteur en fait. Exactement, faut que tu crées ton vecteur au début et que tu le remplisses au fur et à mesure. Vecteur de desk. Faut le créer avec un allocateur ou un truc comme ça, je sais pas. Tu des trucs. L'allocateur, ouais. Dans le constructeur par défaut, il y a l'allocateur. Oui. Et on peut pas lui préciser une size directement de. Non, mais après tu peux faire un resize. Un reserve, pardon. Genre on peut reserve avec cards desk size. Tout à fait. Donc là on va réserver à l'avance la taille du tableau de MDF object, de MDF object, parce que on sait pertinemment qu'on en aura autant et pas plus. Ça permet de faire une seule allocation. Là, parce que les vecteurs, si on ajoute les éléments un par un, en fait ce qui va se passer c'est que pour nos vecteurs et en général les vecteurs en général, les tableaux, dès qu'on va par défaut on a une certaine taille dans la mémoire, donc c'est 4 en général. Et si on veut, on a déjà une taille de 4 et qu'on veut en rajouter 1, ben on va dire, bon du coup je vais allouer quelque part 8. On double la taille en à chaque fois qu'on agrandit en général. C'est plus de... pour éviter d'avoir à faire des allocations trop souvent. Donc on va allouer 8, du coup on va recopier les 4 qu'on avait dans notre nouvelle allocation de 8. Et après on va pouvoir ajouter. Et du coup, pour dire à l'avance la taille qu'on veut avoir, ça permet de faire une seule allocation au lieu d'en avoir plein de petites... Parce que faire une allocation, ça coûte. L'allocation ça coûte et surtout si on a des grandes valeurs, on va le faire plusieurs fois, c'est un peu compliqué. Là on a que 2 cartes, donc on pourrait se dire que c'est négligeable, mais in fine nos decks ils auront peut-être 50 cartes, où là du coup ça commence à faire beaucoup d'allocations qui servent à rien.
Alors qu'on sait à l'avance pertinemment quelle taille on a besoin, donc on peut le dire tout de suite, bah non, j'ai besoin de autant, donc tu m'alloues autant. Et c'est pour ça que c'est un peu dommage qu'on puisse pas le faire directement dans le constructeur, parce que ça éviterait une allocation en plus. C'est vrai. Mais après, ouais, c'est alors, l'usage, quoi. Je vais vérifier, on sait jamais. Sur un malentendu. Exactement. Du coup, ensuite, on a un MDF Object. Le MDF Object, qu'est-ce qu'on peut lui faire? Par défaut, en fait, on fait pas d'allocation. Ah, il n'y a pas d'allocation, donc ouais. On n'a pas d'allocation entre eux, du coup. C'est ça. Et du coup, par contre, si on insère un objet sans avoir réserve, il fait une allocation d'une petite valeur de base ou un truc comme ça. Donc au début on va louer 1, puis après 2, puis après 4, etc. Ah ouais, donc il commence vraiment à 1 en plus. Ouais. Ah, c'est encore. Donc faut que... Bon, du coup là j'ai commencé un peu à anticiper la problématique qu'on va avoir, c'est-à-dire que maintenant vu qu'on va récupérer des cartes pour chacune des cartes qu'on a définies dans notre deck. Il faut qu'on puisse les loader de la même manière qu'on load le deck en fait. Donc on va avoir une fonction assez similaire qui va se ressembler. Ah, je sais même plus comment on avait fait ça. Ouais. Peut-être pour CST, tu peux faire un truc simple où on va juste récupérer le nom dans la carte. Je sais pas si. Ah non, ça va. Ouais, mais du coup on peut pas en fait parce qu'on a pas du tout la data structure pour ça en fait. Qu'est-ce qu'une data structure? C'est la forme de la data en fait. Typiquement là on a deux structures dont une qui est le deck. Le deck, sa structure de data c'est un nom et un tableau de cartes. Et c'est tout, du coup on peut pas vraiment changer ça. On pourrait le changer pour tester, mais je suis pas fan des changements des bugs. Comme je le disais plus tôt. Mais en bref, hein, typiquement, la fonction, on a le corps un peu du loading de MDF, donc ça devrait pas être très long de charger une carte. Hein. Ça va être le même principe. Typiquement. Alors, par contre, du coup, ici, je crois qu'on reçoit directement un MDF Object. Vu qu'on itère sur des MDF Object, je devrais loader des cartes à partir de MDF Object, donc on pourra s'éviter une première partie chiante. Ici par exemple on va prendre ce qui nous intéresse, donc les noms des properties qu'on a, donc on a un nom bien entendu, on a quoi, on a une description et le content cost. Ouais. C'est un peu tricky. Description task. C'est là où on avait fait une feinte d'Eliott, tu te souviens? En fait, ça va bien se passer. Donc ça, au final, en fait, faudrait qu'on teste plusieurs noms différents, en fait. Ça sera par rapport au selon le nom qu'on donne. Si on teste héros, monster, machin et tout ça, et celui qu'on trouve. Ah mais du coup, faut. Si on en a plusieurs, ça va être la catastrophe. On anticipera ça quand même, parce que bon, avec les gens, on sait à quoi s'attendre. Donc ça, on en a plusieurs. On aura quoi? Hero. Monster. Bon, pour l'instant, tu peux commencer avec 2. Oui. Allez, tout de suite, je comprends rien, mais il y a de belles couleurs. Pardon. Ok. Alors là, c'est... Comment ça, il y a de belles couleurs? Raconte-nous tout. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Jude? Bah, il y a du violet, du jaune, du vert. Ouais, incroyable. Non, parce que, alors, donc du coup,
Est-ce que vous pouvez faire un petit résumé de ce que vous êtes en train de faire, messieurs, typiquement, mais de façon simple, pas en partant trop non plus dans les termes qui pourraient être barbares pour ceux qui ne sont pas du milieu aussi. C'est toi le barbare. Ça commence déjà mal. Tu vois. Non, sérieusement. Histoire que, alors, par exemple, Edjoud puisse comprendre ce qui est en train de se passer, pourquoi c'est important cette étape, c'est machin. Edjoud. D'accord. Du coup, qu'est-ce qu'on est en train de faire? En fait, on a d'abord défini ce qui va ressembler aux données qu'on va utiliser dans le jeu. Donc, en partant du principe qu'on fait un jeu de cartes, a priori, la base de la base sera d'avoir un deck. Un deck, qu'est-ce que c'est? C'est un nom et des cartes. Pour ça, on représente ça en données ici à droite. On a donc notre nom et la liste de cartes qu'on tolère dans ce deck. Si on a des cartes, bien sûr, il faut qu'on définisse qu'est-ce que c'est une carte. Qu'une carte, on l'avait d'abord définie en données dans le code comme étant un nom, aussi une description et un coût qui sont forcément présents sur toutes les cartes. Sachant qu'un coût de zéro fait que la carte est jouable directement, ça, comme ça on peut prévoir le cas où on n'aurait pas de, où une carte n'aurait pas de coût. Et ensuite on a du coup la description d'une carte qui va être définie par son content. Son content, ça sera soit une habilité, soit un héros, soit un monstre, soit un event, soit un item, soit un guild improvement. Donc ça, c'est vraiment les types de cartes qu'on aura dans le jeu. Tous les types de cartes qu'on aura dans le jeu. Pour le moment, ils sont pas plus définis que ça. Mais du coup, on a pu mettre en place deux cartes. En disant, bah voilà, celui-là, c'est l'exemple du héros, ça c'est l'exemple, la description du héros. Et donc, on va pouvoir enfin tester le coût du content variable selon en fait la data qu'on trouve dans la carte. Et donc là, ce qu'on faisait depuis tout à l'heure, c'est charger l'ensemble des data qu'on avait. Parce qu'au début, en fait, on a chargé les fichiers qui étaient les fichiers deck et cards. Donc ça s'était bien passé. On avait pu voir que l'élib arrivait à retrouver le deck. Jusqu'ici tout allait bien. Et maintenant on est en train de créer les objets runtime qui vont représenter la data. Pour pouvoir s'en servir plus tard dans le programme. Nice. Est-ce que tout le monde est open? Je pense que tu as donné une bonne explication en vrai. Après, il y a tout, pas, hein. Normalement. Il y a tout ce qu'on a fait à peu près. Donc là, on s'attaquait au chargement de la carte. Comment on charge une carte? Donc, déjà, il y a ces trois trucs-là. C'est le name, descriptor, cost, ils sont forcément présents. Donc on peut directement... Je pense que dans tes noms de variables, il faudrait enlever deck. Ah oui, ouais, c'est marrant ce que tu dis. Bien joué. Sinon il va pas s'y retrouver. Je suis clairement pas le bon public pour ça, mais encore félicitations. Pourquoi on ne fait pas de copier-coller? Voilà, c'est un très bon exemple de mauvais copier-coller. Et là aussi, hein. Regarde, il est beau ça. Après, Jude, ça c'est juste un des contenus qu'on propose sur cette chaîne par rapport à la création du jeu vidéo qu'on est en train de faire. Là, typiquement le samedi, c'est vraiment... on montre un peu... comment utiliser la production. Voilà, oui, c'est intéressant. Mais tu n'es pas le bon public, visiblement. Le mec, c'est qu'il rajoute une couche. Mais je comprends rien. Oui, bah, on essaye que ça soit plus limpide. De toute façon, je suis là pour sonner l'alarme en disant Clairement, s'il y a des trucs qui sont pas clairs, il faut le dire. Hein, parce que normalement, si je comprends bien ce que je fais, je suis censé être capable de l'expliquer. Il y a des fois je comprends pas. Non, en fait, le problème, messieurs, c'est que vu que pour vous, tu vois, c'est aussi votre milieu professionnel, vous faites ça maintenant depuis quelques années maintenant, il y a aussi le fait que, bon, bah, vous avez été formé pour ça, il y a quand même le fait que vous bossez dans ce milieu activement à l'heure actuelle. Du coup, je pense que vous vous rendez pas vraiment compte, comme tu disais, Hulor, juste avant, il y a des termes qui, pour toi, est courant, limite, genre, c'est comme si tu disais bonjour, mais pour les autres, non. C'est pour ça. Ouais, complètement. Ne serait-ce que le principe de variable, pour nous, c'est intrinsèque en fait.
Oui, sauf qu'il y en a qui ne vont pas comprendre la même chose, si tu veux. Oui, oui, tout à fait. C'est pour ça qu'il faut nous reprendre quand il y a... Par exemple, tiens, typiquement, qu'est-ce que tu entends par variable ? Une variable, c'est un... Qu'est-ce que c'est une variable, Gadgad ? Voilà, tu vois. Je comprends pas ce que c'est une variable. Non, une variable, au final, c'est... J'allais dire un objet, mais ouais... C'est un espace mémoire. Merde. Le cat, au secours. Ça va ? Tu veux que je te donne une rame ? Ouais, c'est la base en fait de la programmation, parce que concrètement la carte desk name c'est une variable, la carte def c'est une variable, en fait c'est tous les objets qu'on va traiter en fait au niveau de la programmation, donc on va manipuler que des variables, c'est un peu la molécule de base quoi. Après, c'est Ninja, alors on va juste récapituler. Oui, Jude, effectivement, si jamais, genre, voilà, il n'y a pas le même univers et tout, mais il y a quand même un langage commun qui est quand même. Enfin, qui est commun vraiment à tous les francophones. Par exemple, variable, comme vient d'expliquer Ulor, par exemple, moi, de mon passé académique, pour moi, variable, ça veut pas dire ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, du coup, fatalement. Je suis sûr que les définitions se regroupent. C'est quelque chose qui peut changer. Oui, oui, fatalement, oui. C'est marrant parce que si on a une variable const, elle peut plus changer. Ah, nous on fait des variables qui peuvent pas changer. Ah, donc, en programmation, ouf. Une variable c'est donner un nom et un titre à quelque chose qu'on va pouvoir manipuler en fait derrière. Ouais, c'est ça. Donc là par exemple, si on prend là où t'as ton curseur, ligne 64, card desk, qui est un très mauvais nom. T'as vu ça? Il est génial, c'est-à-dire, je vais le laisser parce qu'il est collector. Et ben en fait, on dit card desk, ça représente la chaîne de caractères description qu'on a mis juste après. Et donc, après, quand on va vouloir utiliser cette chaîne de caractères, on va utiliser la variable. Donc, la variable pour le référencer en fait. Donc, ça permet de rendre le code. Enfin. Modulaire. En fait. Mais par exemple, juste pour rebondir là-dessus. Ouais. Pour pas trop s'éterniser non plus, parce que j'imagine qu'il y a autre chose à faire. Mais par exemple, tu vois, dans mon milieu académique, qui est l'histoire, bah, variable, c'est juste une... En fait, il y a déjà le sens commun, où en gros, c'est quelque chose qui change, tu vois, qui est muable. Et il y a variable, comme on l'utilise, par exemple, dans les sciences sociales, comme l'histoire et tout ça. C'est juste... comment je pourrais expliquer ça ? C'est plusieurs valeurs, plusieurs aspects, par exemple, tu vois, qu'on regroupe... Pour démontrer, il y a aussi la variable de l'industrie à ce moment-là, qui a joué fortement dans la production de l'arme pendant cette guerre, tu vois, ces genres de choses-là, en fait. Ça, si tu veux, donc... Tu vois, rien que ça, faut le remettre aussi en contexte, parce que c'est vrai que jamais, par exemple, tu vois, tu balances variable, bah, il y a des gens qui vont pas entendre la même chose. Tu vois ce que je veux dire? Donc, faut expliquer... Alors, actuellement, on va entendre la même chose, on va entendre variable. Oui, alors... 4-4. Alors, je vais trosser. Je vais tellement trosser 4-4. Lui, c'est une équation et que les paramètres qui varient avec la fonction. Alors, c'est marrant parce que du coup, en prog, ce sera plutôt les paramètres qu'on va appeler une variable. Tu vois. Donc, concrètement, c'est une bonne définition en vrai, mais concrètement, si on définit qu'une fonction est une équation, ce qui est relativement acceptable. Ouais, les variables, ça va être les paramètres de ta fonction qui vont pouvoir faire varier la fonction, en fait. Il y a beaucoup de termes qui se ressemblent avec les mathématiques, en fait. Oui, c'est confusant. Mais il y a aussi le fait que votre formation est beaucoup plus proche, par exemple, de mathématiques que si jamais on devait prendre tu vois, les sujets de base, on va dire, académiques. Hein, les premiers sujets de base, c'est-à-dire les mathématiques, l'histoire, enfin bref, là j'ai pas envie de m'enfoncer avant que quelqu'un vienne m'engueuler en me disant « Mon métier, c'est pas un métier de naze, ok, c'est aussi un métier de base !» Donc c'est pour ça que j'essaie de prendre des pincettes, mais j'y arrive pas. Mais voilà, enfin il y a quand même un champ lexical qui provient d'autre part. Et je ne flexe pas, enfin! Les mots ont une valeur! Arrêtez! Taisez-vous! Oh là, on va se calmer sur les citations. C'est pas une citation, mais tu vois, je vais tellement te taper 4-4. Je vais te taper. Voilà.
Bon bref, parenthèse fermée. T'as mérité la situation. Parenthèse fermée. C'est pas très gentil de nous crier dessus. C'est vrai. Ouais. Non, s'il est pas très gentil, il crie sur les gens comme ça. C'est une mauvaise habitude qu'il a. Ouais, t'as fait méditerranéen, ça. Comment je peux tester si j'ai au moins un des de ces descriptions? Comment je peux tester que j'en ai qu'une? Tu veux vraiment vérifier que t'en as qu'une seule? Bah oui, parce que si j'en ai deux, c'est quoi cette carte qui a un item et un héros en même temps? C'est le chat de Bonobo, putain. As-tu besoin de quelque chose, Ulor? J'ai besoin de réflexionner. Alors réflexionne. Eh ben, je pense qu'il faut que tu les mettes dans un tableau, des trucs. Alors j'ai hésité à les foutre dans un tableau pour du coup pouvoir itérer dessus facilement. Et je sais pas si ça m'aiderait vraiment en fait. Si, parce qu'au début tu déclares un booléen, tu dis est-ce que j'en ai trouvé une? Au début tu dis que c'est faux. Et ensuite tu regardes est-ce que t'as ton objet, il a le truc sur lequel tu es en train de terrer. Et s'il l'a et que t'en as pas trouvé, bah du coup tu dis c'est bon, j'ai trouvé. Et tu retiens ce que t'es. Et sinon tu dis s'il a l'objet et que t'as déjà trouvé un autre, bah tu dis il y a une erreur parce qu'il y en a deux qui sont définis. Ouais. Comment je retrouve quel type d'objet j'ai au final? Ah bah ça je pense qu'il faudra un... là il faut une hashmap entre la string et la fonction qui va te parser l'objet. Voilà. Oh bah. Et sinon tu fais un if hein. Voilà. Oh quelle merde. Ah mais c'est toi qui veux faire compliqué là avec ton jeu là. Nous allons y arriver, pas de panique. Ah, on peut imaginer des choses. Tu fais ça avec un if, else c'est tout ça. Et après, pour vérifier, dire que tu arrives à tout faire V, et après tu reviens dessus. Ouais, on va déjà faire la méthode simple. De toute façon, pour le moment, on va faire la méthode simple à base de. Ces éléments n'existent pas. Attends, je me suis trompé de raccourci. Ces éléments n'existent pas pour le moment. Ouais. Puis on fera quelque chose de stylé après, parce que là, on va pas avancer sinon. Et il est déjà 17h. Mmh. Parce qu'on a passé une heure et demie à réparer le repo. C'est pas faux. D'ailleurs, on fait comme d'habitude, on finish à la même heure à peu près ou. Je sais pas. Quand tu veux. C'est bien, je pense. Ouais. Là, c'est encore des objets, donc ça va être chiant. On va déjà charger ce qu'on sait charger. Fais-en. Peut-être juste un, alors tu fais juste héros. Non, mais en vrai, on va juste charger nom, desk et cost, et puis ouais, okay. Technique. Hein, parce que. Parce qu'en vrai, on n'a pas encore besoin de ça et juste, ça va encore faire une fonction load hero, load monster ouais. Qu'il faudra implémenter. À un moment, ça va devenir redondant, quoi. Du coup, on a dit charger des strings. C'est string. Name qui est string 2. Du coup, c'est locator card def get nmc string view et ça c'est quoi, c'est card desk name pas bane name. On n'a pas fait le test pour récupérer, savoir si c'était bien le bon type. On pourra le faire là. On pourrait directement le faire dans le premier. Bah, je me dis, en fait, on n'a pas besoin de la variable, en fait. Parce qu'on fait un get qui nous renvoie une ref, donc on peut directement faire le is dessus.
C'est-à-dire si je fais get card desk name is def kind. C'est ça, hein, c'est kind ensuite. Hein. Kind. Un café, là. String. Ça c'est valide. Si je me faisais un petit café là, ce serait pour bol. Quelle rigueur je peux faire ça en fait. Pour mais éviter de l'intégrer dans le même if que au-dessus. Ouais, parce que ouais, du coup en fait on peut faire plus ça. String. D'ailleurs, ça on avait déjà défini hein, pour le stream tous les mais... termes que vous utilisez là maintenant. Oui, hein, il me semble. Hein. Qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'on a bien défini là tout à l'heure pour le stream les termes string et tout ça? J'espère. Pas tellement. Alors ça, c'est une erreur qu'il va falloir corriger, messieurs. C'est une chaîne de caractères. En gros, c'est du texte. Voilà. Une string, c'est du chaîne texte. De caractères, c'est des caractères qui s'enchaînent. Du coup, c'est un truc entre double cotes. C'est une string. C'est un type de données. C'est un type de données. Les gars, prenez un café, sérieusement. Donc voilà. Ça, c'est bon, on a blindé le code. Donc on a le nom, on a la description. Bim. Par contre le coup ça sera pas un string. En effet, c'est un int. Voilà. Donc le coup comme c'est une ça valeur. Existe le kind, c'est number je pense. C'est un number. Number one. Pardon. Il est où le kind? Kind. C'est integer. Ah oui, il y a un petit peu entre integer. Integer, c'est un nombre qui est un nombre entier, donc il n'y a pas de virgule. Exactement. Alors qu'un flottant, c'est un nombre qui a une virgule. Et du coup, c'est de quel type? C'est toi qui définis le type ou genre le MDF, il travaille forcément avec des I32, I64. Je vais regarder. Parce que moi, j'avais un I32 apparemment. Ça te renvoie un. I64. Et ben voilà. Et tu peux le static cast en I32. Le get. Ouais, je vais devoir le faire là de toute façon parce que je pourrais pas le faire au construct. Alors le static cast, c'est une façon de convertir d'un type vers un autre. Alors ici on a I32 et I64, donc c'est deux représentations des nombres entiers, sans virgule. Et 32 et 64, c'est le nombre de bits que ça occupe dans la mémoire. Donc, comme 64 c'est plus grand que 32, il y a plus de place, donc on peut représenter des nombres plus grands avec. Ce qui est donc, utile, car ce qui peut être utile, donc par défaut, en fait, quand on lit une donnée dans les fichiers de données, c'est un I64, donc c'est le plus grand qu'on peut faire, parce que on veut pas se limiter à. On peut pas empêcher de mettre des grandes valeurs. Sachant qu'un I32, ça a des valeurs qui peuvent déjà aller jusqu'à 2 milliards et des poussières. C'est déjà pas mal. Et I64, oui. Ça peut aller à 16 millions, milliards de milliards, je crois, quelque chose comme ça. D'accord. C'est franchement trop grand. Donc voilà, on n'a pas besoin ici pour le coup d'une carte de faire I64. Donc static4, ça veut dire bah, ramène-le-moi. Ton truc qui est en 64 bits, ramène-le-moi sur 32 bits, ça suffira. C'est sûr, alors. Voilà. Et on a aussi du coup les versions un peu plus petites en i16 et i8. Donc 16 bits et 8 bits. 8 bits ça va jusqu'à 255, 16 bits ça va jusqu'à 16 000 et des poussières. Exactement. Et 32 bits 4 milliards. 2000. Je vois. Tout ça c'est une histoire de puissance de 2. Toute puissance de 2. C'est pour une autre. Ce sera pour une autre fois. Ce sera pour une autre fois.
Bon, ça va le chat, vous arrivez encore à digérer l'information ou pas du tout? Parce que là, je pense savoir que, bon, pour beaucoup, ceux qui sont pas versés là-dedans, ça peut être un encéphalogramme plat en ce moment. Je peux comprendre tout à fait. Mais ah, c'est mais important comme délire. Il faut prendre ça en compte quand vous faites votre propre jeu vidéo. S'il y en a qui sont là pour ça et qui ont jamais touché au code ou quoi que ce soit. Ouais. Cyril, par contre, je te conseille. Oui. Pour les strings, de les move dans ton scripteur. Sinon, ça ne va pas compiler. Merci, Dieu. Comment je peux faire ça? NLC move. NLC move sur la variable, du coup? Ouais. Et pas que tu inclus meta basics.hpp. Donc, pour expliquer ce que c'est que le move, alors ça, c'est un peu plus compliqué. Ouais, tu vas t'éclater, hein. Ouais. Alors, fais-le de façon pas trop non plus, parce que je pense que les gens sont peut-être pas non plus là pour avoir tout le dico de la définition du machin. Juste explique en fin fond ce que ça va faire au final. En gros, le move, ça évite un coût qui est une allocation mémoire. Parce que allouer de la mémoire, c'est un truc qui coûte cher. Et ici, le move, ça permet de dire la mémoire que j'ai déjà allouée en créant ma variable, et ben, je veux la réutiliser pour l'envoyer dans une autre variable. Comme ça, on ne fait pas une nouvelle allocation de mémoire. Et bah écoute, c'est une petite optimisation. Mmh, d'accord, je vois mieux. Alors, oui, non, parce que après, comme je disais, le but c'est aussi que vous vous rendiez compte que, en fait, à quel point il faut apprendre certaines choses avant de se lancer dans ce genre de projet, surtout si vous êtes tout seul. Et là, pour le coup, je vous plains. Parce que moi j'ai la chance d'avoir Hulor sous la patte et nous avons la chance d'avoir GatGat pour nous aiguiller avec le soft là à l'heure actuelle. D'ailleurs, GatGat, on te remercie énormément. Oui, merci beaucoup. Vraiment. Je te paierai une bière quand il y aura plus de Covid. Attends, j'attends mon chèque, ouais. Je prépare le chèque. Mais donc du coup, voilà, il faut que vous vous rendiez compte que il va peut-être falloir, si vous partez de nulle part, se mettre dans la tête qu'il va falloir apprendre un truc. Il va vraiment falloir apprendre cette matière-là. Et c'est surtout, même si jamais vous pensez utiliser, comme on avait dit dans le premier stream, le tout premier, comme les petits softs là que vous pouvez acheter à 20 balles, 60 balles pour certains qui sont complètement abusés, ou des gratos, comme je pense notamment à RPG Maker, à Godot, ou Godot, on n'est plus sûr de la prononciation aujourd'hui, mais bon. Tu dis Godot ou Godot? Godot. 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 Godot, ok. Bon, alors c'est pas pour Godot. Et en fait, il va falloir les maîtriser aussi. Parce que c'est pas juste appuyer sur un bouton et le jeu se fait parce que tu es connecté à la machine, hein, on n'est pas dans Matrix. Donc, il faut se mettre en tête qu'il va falloir apprendre un programme. Ou il va falloir peut-être, pour certains plus courageux, un langage. Et le fonctionnement de tout ça. Il faut vraiment se mettre dans l'idée qu'il faut apprendre il faut apprendre la matière avant de se lancer dans quoi que ce soit. Et ne visez jamais trop gros. Ne vous foutez pas en tête de faire un open world ou un truc comme ça. Limitez-vous dans un premier temps. Pour les amateurs, je parle, hein. Mettez-vous vraiment dans la tête que faites un platformer à la con si jamais pour vous ça a l'air très débile, et vous allez voir que c'est déjà un défi en soi quand on part de nulle part et qu'on ne connaît pas forcément ce à quoi on est en train de toucher. Ça va déjà être un premier défi. Fixez-vous des petits défis dans un premier temps. C'est vraiment important. Ne partez pas dans du monstrueux. Et surtout si vous faites des RPG Maker, bon personnellement je déteste RPG Maker, mais au-delà de ça, c'est peut-être plutôt un goût, mettez-vous dans le crâne que c'est pas parce que vous avez une idée du scénar que vous avez fait le gameplay. Et que forcément va falloir mieux bosser le truc. Faites-vous des documents, faites-vous comme si vous étiez en train de travailler en groupe et qu'il va falloir montrer votre travail dans la seconde qui suit. Parce que si vous bossez sans référence pour votre univers, ou pour le code, ou pour comment le gameplay va se faire, vous allez juste aller dans le mur, en fait. Et c'est pas le but. Il faut pas vous décourager et vous dégoûter. Et surtout, il va falloir vous mettre aussi des horaires de travail. Bon, nous, on a décidé un peu le week-end ou quoi, mais... Parce qu'il y a aussi la vie à côté. Mais si vous y mettez comme ça sérieusement, genre chaque jour, faut le faire. Le discours épique, pas du tout. Non, mais j'essaie vraiment de le mettre en avant parce que c'est vrai que quand... Par exemple, moi j'ai été dans le cas où à un moment donné, je me suis retrouvé tout seul à devoir faire un jeu. Et bah, disons que c'est un peu compliqué parce que quand tu te lances dans la recherche de tutos, par exemple... D'ailleurs, il y a des tutos très bons hein, pour ceux qui veulent pour Godot. J'ai une chaîne YouTube et
enfin pas moi personnellement, mais je connais une chaîne qui est vraiment intéressante pour ceux que, qui voudraient explorer la chose. Ils vous disent jamais vraiment à quel point ça va être un sacrifice personnel aussi. Faut se mettre en tête qu'il va falloir sacrifier certaines choses. C'est déjà du temps. Principalement. De quoi ? Des poules, principalement. Oui. Des poules. Des poules et de la musique pour Satan. Non mais, voilà, il va falloir vraiment se mettre dans l'idée que c'est un projet qui est énorme, même quand c'est un petit jeu flash à la con. D'ailleurs, il n'y a plus de flash, je sais, merci, lol, MDR. Mais quand même. Mais il faut avoir cette réalité-là en tête, hein, pour ceux qui sont pas dans le milieu et qui sont dans le chat, parce qu'on sait du coup qu'il y en a certains qui sont là en train de lurker, qui sont déjà dans le milieu, donc là ils sont en train de sourire en m'écoutant. Mais pour les autres, écoutez-moi. Je vous en supplie, c'est de la folie. Mais il faut pas que ça vous décourage, vraiment. Si jamais c'est ce que vous voulez faire. Un tout petit peu nuancer le propos, faut voir que là, niveau code en tout cas, Hulor a pas pris le chemin le plus simple. Parce qu'il a déjà de l'expérience et tout ça. J'ai pas choisi la facilité. Voilà. Non mais c'est vrai aussi que il y a des moyens plus simples de se lancer dans la création de ce vidéo, mais c'est intéressant, je pense, de voir. Oui, non mais justement, t'as tout à fait raison, Gadgat. Merci de me reprendre là-dessus, parce que c'est vrai qu'il faut nuancer vraiment le propos. Comme tu dis si bien, Hulor, lui, bon, c'est un pro, il est pas là pour enfiler des perles, mais je parle vraiment pour ceux qui... Parce que fatalement, faut pas prendre nos streams comme des tutos, hein. Absolument pas. Hein. Pour tu peux répéter si non c'est dommage c'est pas vraiment enfin il faut pas les prendre pour des tutos genre allez je vais calquer de comment ils ont fait pour faire le mien tu vois. Là on est plus en mode pas flex mais disons qu'on montre comment on procède et comment on fait le truc mais il faut y aller pas avec de la pédagogie et de la méthodologie et faut pas hésiter à essayer de rejoindre des Discord et tout ça, parce qu'il y en a pas mal, il y en a vraiment une chier là-dessus. Franchement, il y a de quoi faire. Moi, je serais très heureux de vous partager ceux sur lesquels j'ai pu visiter et que j'ai encore en mémoire dans mon propre Discord perso, ça me dérange absolument pas. Donc vous pourrez me demander, je serais très heureux de le partager, vraiment. Sachant qu'il y a des communautés qui sont très bons, enfin très bonnes. Qui sont vraiment dans l'entraide. Par contre, s'il vous plaît, un peu de décence, un peu, soyez aimable. Ne faites pas seulement ceux qui demandent de l'aide. Si vous voyez que vous pouvez aider pour un problème d'une autre personne, faites-le. Faut pas que l'aide ça vienne seulement d'un seul sens parce que c'est assez. Bah, disons qu'il n'y a pas de partage quoi. C'est juste tu prends. Donc, par définition, c'est pas un partage. Voilà, c'est tout. On peut revenir à l'instant. On structure les ménages. Je pensais que c'était important de le dire. Voilà. Voilà, normalement, d'un coup, on a chargé le deck, on a chargé les cartes, sachant qu'on est un chargement partiel de cartes, parce qu'on récupère pas le content pour le moment. Pour des raisons de simplicité et de test. Et maintenant, il va falloir compiler. C'est là où ça va péter. Alors, ne faites pas ça chez vous, normalement, il faut compiler plus régulièrement que ça. Ton warning, on a l'impression qu'il est en train de faire une cascade sur un escabeau. Ah mais voilà, c'est ça de compiler une fois que tout est fait. Hein. C'est voilà ce qu'on a après. Alors, on va y aller. Ah, t'as pas inclus des choses, monsieur. Ah, optionnel, chose. J'ai l'impression qu'il aime pas. Non, c'est carte descriptor qu'il aime pas. Ah oui, encore pire, c'est les miens que j'ai pas inclus, quoi. Bah ouais. Excellent. Donc on va... Deck. Alors moi je suis désolé les gens mais je suis très très faible. Je vais aller me faire couler un café. Je reviens tout de suite. Oui enfin ça va j'ai une addiction et alors. Tu m'attends d'avoir un café. Ouais mais t'en veux un vu qu'on est coloc. Bah oui. J'aimerais bien en avoir un mais je peux plus en avoir un. Et moi aussi je peux être en coloc. Tu m'en amènes un. Ouais carrément. D'ailleurs oui on vous a jamais dit mais Gadgat aussi est dans la colocation. C'est l'heure du goûter. Oh ouais d'ailleurs tiens j'ai de la pâte. Ah ouais j'ai des canons les. Il faut que je les bouffe moi. Donc je reviens. C'est la fin du stream quoi. Donc ça c'est bon. C'est quoi c'est une clou de carte. Ça existe ou pas ça.
Carte descripteur n'existe pas, no such failure direct. Je l'écris avec le cul ou comment ça se passe? Non mais tu l'as pas inclus. Comment ça je l'ai pas inclus? Question à la con, j'ai pas inclus. Ouais bah j'ai fait le gitan là mais j'ai pas inclus le j'ai pas inclus card ici mais. Ah, le truc c'est qu'il me pète une erreur ici, ce qu'il me dit, ouais, ça existe pas ton machin. Ah là, ok. Pourtant il est dans l'header celui-là, il devrait pas m'emmerder. Oui. Non, il va m'emmerder pour ça? Genre vraiment? Genre vraiment on en est là? Non, c'est bien ce qui me semble. Du coup j'ai dû l'écrire n'importe comment mais... C'est bien sûr. Là, j'ai viré le headers parce qu'apparemment ça ne l'aide pas trop. Mais... Ah ouais. Pourtant, ça a l'air nouveau. Enfin, je sais pas. Je sais pas lire. Je sais peut-être pas lire. Hein. Tu peux. Ah, peut-être faut faire un truc dans le. Lesson.build. Tu peux ajouter une. Ouais. Pour lui dire où include peut-être. Ouais. Add include directory, include directories. Pas dans celui de Lesson.build qui est dans Pandémie, je pense. Où tu définis ton exécutable et tout. Ah, tu penses? Pas celui-là? Ah, salaud! Pandémie, maison, enfin, je... Ça, on entend bien les marteaux là, c'est la teuf. Comment ça se passe? Include dir, je. Super. Voilà, ink dir. J'ai appelé comment moi? C'était à headers? Ouais. Juste headers, comme ça, y a pas plus de chemin que ça. C'est pas là. Voilà, faut tout recompiler. Non, excuse-moi, pas de ça. Carte descriptor, no such failure directory. Bah non, mais il existe pas. Il y tient. Regarde ce que t'as dans les includes. Ouais, t'as besoin de pandémie headers. Alors là, regarde s'il y a des gens dans. Non mais je dois avoir noté ça avec le cul quelque part. C'est bien. En fait. Voilà, pour expliquer un peu ce qui se passe, c'est que quand on fait include, on dit va me chercher ce fichier là et copie-le à cet endroit. J'ai bien si mangé. On a besoin pour la structure card descriptor. Et le compiler nous dit qu'il n'arrive pas à trouver ce fichier là. Ce qui est cocasse, parce qu'il est bien présent en fait. Enfin... Non, c'est HPP, monsieur. Ah. Oui. Eh oui, c'est clair, tabarnak. Il va me faire chier partout hein, maintenant. Eh oh, calme-toi là, avec ton arythmétique. Ton arthrite. Ah, donc là, il pouvait pas le filer parce que il était mal écrit. Oui, parce qu'il, du coup, il était dans son bon droit de me dire t'es débile. Ah bah, le compilateur a toujours raison. Improvement. C'est une quote. Such file or directory. Ouais, j'ai dû écrire avec le cul encore un peu.
Il y en a un où t'as mis un E, il y en a un autre où t'as pas mis de E. Non, c'est HPP aussi, t'as mis point H. Quoi. Ah, je l'ai pas changé, lui. On va y arriver. Hein. Ah, là, c'est des vraies erreurs. Des vraies erreurs. Mais qu'est-ce que j'ai get, no, patching, overload, function, form. 1074. Get à extreme view. Get ah, c'est plus template. Le get tout seul, le templater. Attends. Oui, c'était quelle ligne? 74. Oui, c'est ligne 7. Oui, c'est exactement ce que je voulais. Attends, 74, c'est sérieux? Vous m'éconnez moi, monsieur. En plus, celui-là, il est. Ah non, c'est un get tout seul. Tu le get en MDFRHS, du coup, j'imagine. Tu penses c'est légal ça? J'ai le droit de faire ça? Ouais, ouais. J'ai toujours la tête du mime là, avec. Tu peux faire get RHS directement. Avec le Spartan bleu. Wait, that's illegal. Exactement. Du coup, c'est un MDFRHS? Ouais. Du coup, je peux faire get RHS au lieu d'appeler ça. Ça servirait même. Ouais, mais faut unwrap dans ce cas-là. Parce que le get il fait un unwrap de get RHS. C'est du coup non ça. Ah oui, en effet. Du coup, autant faire un get comme ça et puis. Ouais. Est-ce qu'on a d'autres get Bah ça c'est un get illégal. Ouais. Oh le salaud. Alors ça par contre c'est légal. Ça par contre c'est légal. Okay. En fait tu non, peux faire get. Get RHS dans le unwrap, ça marchera aussi. Mais le unwrap il fait quoi du coup? Il fait pas la résolution de. Ouais, mais t'en as pas besoin ici. Ouais, de faire la fout, ouais. Ouais, ça c'est ça. Ça. Du coup, c'est get RHS, c'est ça? Ouais. Tout attaché mais avec une majuscule. Ah, okay. Ce qui est marrant, parce que ça peut l'air très. Non, celui-là il est pas. En fait, il est pas très conventionnel, ça. Ça, oui. Ça. Donc, ça, pareil, get RHS. Non, je corrige ceux-là aussi, parce qu'ils sont pas, ouais, ils sont pas très jolis. Ça, ok, très bien. Pour le coup, c'est my bad, je me rappelais pas de cette petite. C'est quoi ça? Je crois qu'il a. Toujours à la N74, il me dit que kind string, ça a pas l'air de trop marcher pour lui. Enfin, en fait, le variant c'est soit un kind, soit un array. Oui, mais kind de string, du coup, c'est un kind. Oui. Un bordel. Ne paniquez pas, messieurs. Ne paniquez pas. Ah là, c'est terrible. C'est terrible. Incroyable. Ah non, mais c'est parce que je suis un salaud. Je lui ai donné un argument alors qu'il attend pas l'argument. Ah, ok. Voilà. Ouais, ce que j'avais copié-collé, c'est encore un coup. Putain. Et voilà, copié-collé. Terrible, c'est. Terrible fait. Faut jamais me tromper de. Voilà, ça c'est illégal ça. 78 NLC. Ah, mais c'est t'as mis qu'un seul.
Non, t'as mis 15 de points. Ah oui, 15 de points. C'est pas un namespace du coup. Bravo. Bravo le haut. Card desk and declared identifier. 134. C'est plus loin là déjà. On avance. Après, il te reste 30 minutes alors. Pendant l'heure du card. Ouais, ah, parce non, que ça passe là. Ça non, passe là, voilà. Deck, oui. Name, view. Tu vas avoir un problème niveau 131, je pense. Pas tout de suite, mais. Oui, celui-là, je l'avais dit, mais j'avais oublié de te le redire. Mais qu'est-ce que toi donc un problème? Faut faire un get. Faire un get, c'est ça? Ah, étoile. Faut que tu le déréférences. Étoile, get. Get, étoile. Get, étoile. Get. Étoile. Du coup, lui il me dit quoi? L'in 162, view n'existe plus, c'est ce qu'on a dit qu'on arrêtait de l'utiliser. Exactement. C'est bien pour ça que ça ne marchait pas. Oh mon dieu! Ça 162, bon, ouais. Get, je trouve pas de. Ah, c'est get RHS. Ah, parce... Attends quoi? Pourquoi ce serait GetRHS là? Parce qu'on prend un RHS en paramètre. Exactement. Oh non, des erreurs de template. Vector, attempting to reference deleted function. Ah, c'est que t'as dû faire une copie quelque part alors qu'il fallait pas. Ah oui. Où il faut ça que dans le Apple du gros. Ouais, le Apple gros. Tu peux faire un NLC move, c'est ça. Ou tu peux faire un point extract, carddesk point extract, et ça va se sortir l'objet en move en fait, automatiquement. T'as pas besoin de faire de move dessus, donc tu peux enlever l'étoile. Point extract. Ouais. Comme ça. Tout à fait. Ah oui, parce que c'est un optionnel, j'étais en train de me dire, mais j'ai pas défini cette fonction, mais c'est un optionnel. Ah, ça compile, c'est incroyable. Compilé. Maintenant, faut le lancer pour voir si ça. Est-ce que t'as un débugger maintenant? Non. Non, t'as cru que j'avais fait mes devoirs moi. Instant définition. C'est... Qu'est-ce qu'un débugger? Ça débug. Nice. Un débugger. Nice. En fait, ça permet de arrêter l'exécution d'un programme à un certain endroit que tu définis dans le code. Mm-hmm. Et à partir de là, tu peux regarder les variables que tu as dans le code, quelles sont leurs valeurs. Tu peux avancer pas à pas, donc ligne par ligne de code. Mm-hmm. Tu peux rentrer dans toutes les fonctions pour voir en vrai ce qui se passe dans le programme et comprendre pourquoi ça marche pas. Ça marche. Ça crache pas, hein. Incroyable. Qualité. Magnifique. Qualité ce code là, il a pas explosé, on est fier de lui. Ah, peut-être si tu veux prouver que ça marche, et ce que tu pourrais faire c'est afficher un log qui te dit ce que tu as chargé. Bah ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire. Pour être sûr on que... un log qui n'est pas du warn. Crash, oui, c'est j'avais logué avant. NLC print. NLC exactement, c'est nul. Print. Donc. Parce que là, qu'est-ce qu'on fait en fait? On récupère le optional, mais on le récupère super bien en fait. On le récupère dans un if, c'est une connerie ça. Oui, tu devrais plutôt faire un inverse. Parce qu'en fait, là, s'il l'a pas... Oh, terrible. Incroyable. NLC warn. Warn Orbron se présente. Le deck. Load. Deck. Turn up status. Warn. Ça retourne ici et s'il est nul donc là déjà on est un peu mieux. Ah, ouais. Ok. Du coup, je peux techniquement faire ça en fait. Ou pas? Non. Non. C'est non. Tu déférences moi, mais approximatif quoi.
Là, tu peux, ok, j'avais pas vu le. Je peux, ouais. Ouais. Donc ça marche. Je voulais juste mettre deck desk dans le print. Non, non, mais quand même, je suis pas fou. Faut pas abuser sur le print d'objets à l'arrache comme ça. Sans metadata, c'est pas possible. D'accord. Donc, tatata, on l'a trouvé. Hop. Non, ça se met à droite. Card descriptor. Dans des deck desk cards. Ça, moi je vais aller aux toilettes. Et bah écoute, bon parfait, de victoire. Au spit. Dégueulasse. Description, y'a quoi d'autre? Y'a quoi d'autre à loguer? Qu'est-ce qu'on a? Le coup. Ça, ça sera bien. Après que ça soit fait, on aura déjà pas mal avancé. Pardon, les toilettes sont occupées. Ouais, on aura pas mal avancé, oui, on aura pas mal avancé parce qu'on aura des templates de loading de data, ce qui est assez important pour la suite. Parce que, du coup, disons qu'à partir du moment où on a assez de templates de code pour savoir comment utiliser la lib, on pourra avancer un peu plus sereinement. Là, c'est encore un peu au tâton, hein, donc c'est normal. Et concrètement, là, en fait, si on arrive à charger un deck, on va pouvoir commencer à s'intéresser à aux systèmes autour qui vont utiliser les decks. Déjà, voir un peu aussi pour... En fait, faudrait qu'on s'occupe de tout ce qui est chargement. Comme ça, c'est fait. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu entends par chargement? Bah, charger les... Là, par exemple, on n'a toujours pas chargé le content de la carte, donc en fait on a une carte qui a un nom, un descripteur, et... enfin une description et un coup, mais on sait pas ce qu'elle représente, on sait pas si c'est un héros, une habilité, un event, n'importe quoi. Si on peut finir ça, au moins comme ça on a tout le principe des decks, des cartes, des contents de cartes qui sont implémentés, on est tranquille pour un petit moment en termes de data, yes. Pour 100 en tout cas. Et ensuite, on pourra du coup avancer sur ce qui est du coup les systèmes qui vont utiliser ces data. Et du coup, ça. Donc un très grand pas en avant. Concrètement, ouais, c'est assez important ce qu'on fait là, l'air de rien. Ça paraît pas comme ça parce que c'est, comme je le disais, c'est des trucs qui sont pas du tout visuels, donc c'est pas super intéressant. C'est pas très impressionnant à voir, mais c'est super important pour la base en fait. Le GetGat est revenu. Le GetGat est revenu. On va pouvoir tester du coup. C'est tout pété. C'est tout pété. Alors qu'est-ce qu'il me fait? Oui monsieur. Oh non. Mais il est chiant. Oh merde.
Putain, tout ça, ce que j'avais pas mis pour slash. Incroyable. Ce chargement de fenêtre, faut vraiment que... Ouais, qu'on teste, bah on testera en off, là. Ouais. Ah, y'a pas de carte. Ah, on a quelques problèmes. Alors, on a trouvé le deck, mais on a pas trouvé les cartes. LOL. MDR. Qu'est-ce que j'ai fait, putain. Allez. T'as pas mis de log dans les cartes si ça foire. On sait pas trop où ça est. Tu pars. Oui, c'est vrai. Et vu que t'as pas de débugger, du coup c'est compliqué de savoir. Oui, si bah ça, pas. J'ai compris. Je vois l'intérêt du débugger pour ceux qui demandaient ce que c'était. Là, typiquement, ouais, là, le débugger. Là, on pourrait faire ce qu'on appelle du step by step, c'est-à-dire avancer genre fonction par fonction pour voir qu'est-ce qu'il fait, où est-ce qu'il en est dans le chargement. Ce serait intéressant à voir. Après, moment, le log, selon le type de projet et le type l'avancement du projet et tout ça, les logs c'est parfois plus rapide qu'un debug. Qu'on soit bien clair. C'est vrai. Alors là, en théorie, le log sera plus rapide que mettre en place le debugger. Mais, ouais. Mais s'il était déjà en place, peut-être que il serait plus rapide. S'il était en place, ça serait clairement plus rapide. Parce qu'en cumulé, le temps qu'on passe. Tu vas passer à écrire des logs, ça sera plus long que de mettre en place le debugger. Donc, sur le long terme, c'est quand même plus intéressant. Donc là, le debug à base de logs, c'est de mettre des logs dans tous les endroits où ça peut échouer pour que à l'exécution, on puisse voir à quel endroit ça va foire. Pour que le programme nous dise qu'est-ce qu'il y a foire. Ça, on s'en moment. Parce que en vrai, ça c'est une pratique importante, hein. Mettre des logs. C'est important. C'est quoi ça? C'est warm. Comment dire ça? Comment qu'on peut dire tout ça? Ça a l'air bien ça. Est-ce qu'on est des fifous? On arrête d'avoir des variables pour rien. Me saoule. C'est rien. Ça, voilà. Intéressant. Donc les cartes sont mal définies. Ouais. Un truc que tu préfères, je pense, pour que ça aille plus vite, c'est faire le chargement des données avant d'ouvrir la fenêtre, vu que c'est la fenêtre qui prend du temps. Ouais, j'avoue. Ouais, en plus, la fenêtre est tout en haut. C'est ça. Parce qu'on n'a pas besoin de fenêtre pour charger tout ça, les données. Tout ça, c'est le chargement de données, on est d'accord. Ouais. Hop. T'auras besoin de l'allocateur avant quand même. Oui, bah ça va. Hein. Ah bon, mais moi je. Je dis ça comme ça. Hein. Voilà. Je dis ça, je dis rien. C'est pour t'aider, hein, tu sais. Voilà, ça c'est bien. Du coup, par contre, ça ne nous dit pas vraiment qu'est-ce qui est invalide dans les data. Là, t'avais pas d'autre info à part que la carte avait pas été chargée. Elle avait des informations invalides. Elle avait des définitions invalides. Alors c'était où que t'avais mis ça dans le code? Je sais plus.
Alors dans le code, c'est au tout début en fait quand on regarde est-ce qu'elle a ça, est-ce qu'elle a ça, est-ce qu'elle a ça, et si d'accord. c'est ce type là. Si c'est pas de ce type là, c'est invalide. Ah oui d'accord, c'est un peu large, peut-être faut que tu coupes ton test. J'avoue, il est un peu large, mais quand même. En vrai. Est-ce que t'as défini cost? Parce que cost il était optionnel a priori. Il était tu l'as quand même défini. Ouais mais il est dedans quoi qu'il y a. Mais ouais, bon, on va dire. On va finir par. Alors là, pour refaire le parallèle avec. La comparaison avec un debugger, entre un debugger et débugger au log. Avec le debugger, on aurait pu s'arrêter au moment où on écrit que la carte definition est invalide et à ce moment-là voir ce qu'il y avait dans les variables et à partir de là comprendre ce qui n'allait pas. Regardez quelle variable était invalide en fait. Ouais. Mm-hmm. Carte definition name invalide. Mais promis, je ferai un debugger. Enfin, je me prendrai un problème debugger. Non, parce qu'en vrai, je suis censé en avoir un en plus, je raconte de. Ouais, il faut juste que tu le branches. Donc que tu... Je faut que je réapprenne à utiliser aussi, hein, parce que GDB, je l'ai pas utilisé depuis 6 ans. Ouais. Je sais même plus comment il marche. Bref, on va pas perdre du temps avec ça. Parce que... Descripteur invalide, cost invalide. Est-ce que j'aurais fait une erreur ici? Non, cost est en. Et c'est les types qui vont pas parce que... Name. En sachant qu'en type on a string et integer. Ouais. Et que a priori de ce que je vois ça a l'air d'être bon. Ouais t'as dit des bons. Name invalide. Est-ce que c'est ce que j'ai pas mis le... Genre j'ai mis name majuscule et c'est name minuscule. Ah. Est-ce que ce serait une histoire comme ça? Cards. Name, description. Ou alors c'est que l'objet qu'on passe ici n'est pas le bon. Dans card dev. Peut-être, parce qu'on lui envoie quoi? Parce que c'est une référence. Ah! Dans tes données, je te rappelle que tu avais dit que c'était parenthèse. Faut pas le unwrap ou un truc comme ça. Non, je pense qu'il faut que t'enlèves les parenthèses dans le deck. Ah! Ça va tout péter là encore un coup. Pour faire une référence. Parce que là, je pense que du coup, ce qui se passait, c'est que ça te crée un objet. Vide. Ça s'appelle exactement pareil, mais qui a rien dedans. C'est ça. Je pense. Ah, mais du coup, j'ai pas besoin de recompiler. C'est pour ça que c'est bien le data driven, c'est que t'as pas besoin de recompiler pour changer un truc. Ça a rien changé. Hein. Ok, bah c'était une tentative. C'est ce que j'avais pas vu, moi. C'est par un échec. Alors, du coup, revérifier comment on appelle ouais, ce chargement de carte là. Peut-être un. Est-ce que c'est un objet qu'il faudrait unwrap? Parce que peut-être que du coup, c'est une référence et qu'il faut l'unwrap, ouais. Alors, comment on l'envoie? Card on l'envoie cache comme ça. Card desk. Ouais, je pense qu'il faut l'unwrap. Ok, définissez un wrap. C'est une fonction. Alors c'est une fonction qui va ici, justement, vu que l'objet dans le tableau, en fait, c'est le nom d'un objet qu'on a défini ailleurs dans les données. Et du coup, le unwrap, il va aller chercher cette référence pour aller chercher l'objet qui correspond à la référence. J'ai pas le droit de unwrap card object parce que c'est pas un IRHS. Ok. Je claire, ne pas. Non, je clairne pas. À ce moment-là, récupère ton array proxy en MDF RHS. Ici, du coup, RHS. Ouais. RHS. Alors, je vais voir, tu peux pas le faire directement avec, sans passer par le proxy, du coup. Bah, du coup, je pense que si j'itère directement sur. Sur l'arrêt, ça m'envoie. Ça, je sais pas. MDF, wrap. Et unwrap, il prend un paramètre template du coup pour dire quel type il doit renvoyer, non? Tout à fait.
Ah, ça, je commence à savoir de quoi je parle. Je crois pas que tu puisses sur un arrêt en fait, ouais, non, t'es obligé de passer. Ça ne change rien, je crois. Parce que je vais pas recompiler. Ouais, je vais pas recompiler aussi. Tu peux itérer directement sur l'arrêt en fait, oui, oui, je dis des bêtises. No matching. Ok. Quoi? Ah, mais parce que j'ai pas changé le type ici. Bah oui. Donc en fait, ici on peut directement itérer sur. Sur. En fait, si tu... il faut que tu mettes l'arrêt dans une variable sans appeler .elements. Et après, si tu fais du coup ton arrêt.elements, tu peux... c'est un vecteur donc tu peux itérer dessus. Ouais, ça revient au même que de faire ici. Et... oui, c'est juste beaucoup moins verbeux du coup. Donc là, normalement, c'est bon. Non ? Ouais. De const objet à mdf rhs. Ligne 138, oui, bien sûr. C'est que j'ai pas sauvegardé. Ouais, maintenant c'est ici où il dit bah non, dis non, t'as pas le droit de faire ça. Ils disent pas cool. Je peux convertir de object à mdf rhs. Est-ce que l'itérateur du proxy c'est un object, non? C'est pas une histoire comme ça, une sombre histoire comme ça. Essaye de virer le proxy. Oh mon dieu. Genre je vire le proxy et le element et je le mets en bas le element, c'est ça? Ouais. Instant définition, proxy. Oula. Alors... ouais bah les gars, commencez là, pas là hein. C'est un truc très spécifique à ce qu'on fait là. Faut que tu fasses cardias.underscore element. C'est le membre de la structure en fait. Pas une fonction. Ah c'est bon, d'accord. Non. Donc en fait là un proxy. Voilà. Proxy, c'est un objet temporaire qui permet d'accéder plus ou moins aux informations d'un objet plus large. Enfin, moi je définis ça. Ouais, c'est ça, comme concept global. Ouais. Dans le concept global, c'est ça en gros. Ici, en fait, on a un tableau d'objets MDF, de data du coup, et on sait pas trop ce qu'il y a dedans. Et le proxy, ça permet de dire, bah moi je sais que dedans, c'est par exemple que des nombres flottants. Du coup, donne-moi accès à ce tableau comme si c'était non flottant. Et après, du coup, on pourra dire. Je veux le premier, le deuxième, le troisième, etc. Le vecteur, c'est elements. Ouais. Ah mon dieu. Qu'est-ce que c'est possible ? Deux, il aime pas. Ici, il aime pas. Il aime pas quoi ? Est-ce qu'il faut que tu le mettes en référence ? Constref de MDF. Ah. Parce que je pense au chat, hein. C'est pour oui. Ça que je demande des définitions toutes les deux secondes. Si c'était clair quand mais... Ça fait un peu dans l'eau. Il passe des trucs bizarres. Dans l'eau, oui. On peut afficher genre les fields que l'objet a. Oui. Dans MDF Object, bah, tu as une HMAP à l'intérieur. Y'a pas un truc pour afficher une HMAP facilement? Non. Ah, bien, c'est quoi? La HMAP c'est field? Ouais, c'est ça. Et du coup, en clé, c'est une string view, qui a des caractères, et en valeur, c'est un RHS. Donc, tu peux déjà juste afficher les clés, je pense, ça aidera. Si je fais un cœur. Est-ce que je peux faire une paire, un for pair de... Ouais, ça marche plus bien. NLC, tu me dis, c'est une NLC string view. Ça marche auto, hein. Ça peut pas t'embêter. Ah ouais, j'avoue. Auto const différence. J'ai pas l'habitude d'utiliser les autos, c'est un truc de ouf. Hein.
Ouais. Je peux directement crocher name et puis underscore. Crocher name underscore. Dans la syntaxe. Ah oh, monsieur, du C17. Attends, je te l'envoie. Qu'est-ce qu'il raconte? Tu sais, la plupart des studios sont enfermés dans le C++14, alors pour avancer, c'est un peu compliqué. Du coup, tu m'envoies la syntaxe, c'est ça? Ouais. C'est pourquoi? C'est pour itérer dessus? Oh! C'est pour pas récupérer les deux éléments. Enfin, pour du coup, développer tu récupères d'un... que le nom. Du coup, tu récupères pas la value, en fait. Non, parce qu'on n'en a pas besoin ici. Enfin, peut-être quand tu voudras la suivre. Car def.feed, c'est ça? Je crois qu'il y a un underscore du coup, parce que c'est un nombre. Je le crois, ouais. Pas censé accessible, c'est ça? Je crois que c'est ça votre norme en fait, non? Si y a un alors, il n'y a pas de norme vraiment sur le underscore. Ok. Mais on a, certains objets ont des underscores dans leur field. Non. Et du coup, là, je peux directement accéder à name. Ouais. Chambé. Est-ce que ça compile? La puissance que tu sais plus, monsieur. Incroyable. Et ça compile en plus. Ça compile, ça se lance et il y a bien une name. Et bien description. Ok, c'est du coup qu'il est pas. Est-ce que c'est moi qui ai fait n'importe quoi? Donc s'il a pas. Ou peut-être que s'il est pas. Peut-être que c'est de ce type là. Ah, parce que t'as pas mis égal false. Ouais. C'est ça. En fait. Du coup, c'était tout bon depuis le début. Tu vois. Si j'arrêtais d'être débile aussi, ça nous aiderait. Hein. Probablement, en tout cas. Je l'avais pas vu non plus. Hop, 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 la compile. Oh là là, hop, hop. Voilà. C'est beau. J'ai oublié les tabulations, mais c'est pas grave. Ah, mais ça fonctionne complètement. Ah, du coup, ici, on a réussi à charger entièrement le deck et les cartes. Donc, on n'a plus de problème pour le chargement de cartes. Et ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Et au moins, du coup, on arrive, encore une fois, à peu près aux alentours des 18h avec un truc qui marche, qui compile et qui fait ce qu'on lui demande. C'est fou. L'air de rien, c'est pas tous les jours le cas. Hein. Au taf, ça m'arrive jamais, à peu près. C'est seulement une fois par semaine. Pardon. Soir. Ah, le backslash T, ça ne marche pas. Je suis choqué déçu. J'ai pas vu. Mais peut-être que j'ai pas recompilé encore un coup. Peut-être que je suis con, en fait. Peut-être que je le fais exprès au bout d'un moment. Voilà. Quand ça se posait des questions. Ouais, mais du coup, vu que je fais des backslash, oh, c'est chiant, ça. Monsieur, là. Oui. Si jamais nous voulons finir à 18h comme d'habitude, il vous reste 12 minutes. On a fini. Ah oui, c'est fini là, hein. Je suis en train de faire du cosmétique. Ah là, t'es en train de faire du flex. Mais il faut le dire. Je fais pas du flex, je fais du cosmétique. C'est pour rendre la chose un peu plus attrayante et un peu plus compréhensible pour le début. Mais d'accord. Peut-être que j'avais pas attendu qu'il ait fini de compiler. Que fait-il? Mais que fait-il? Incroyable. Rien à faire. Mais t'as mis des tabulations avant les retours à la ligne. Ouais, je suis con aussi. Alors quand on écrit des choses comme ça, il y a des caractères spéciaux. Donc slash n ça veut dire retour à la ligne et slash t ça veut dire insérer une tabulation. Exactement. Et là monsieur il avait mis une tabulation puis il était revenu à la ligne. Donc, ça... En fait les backslash t comme ça en fait ça permet d'introduire des caractères spéciaux. Je crois que c'est ce que tu viens de dire mais... Ouais, je l'avais pas dit comme ça mais c'est le caractère spécial. Et en fait c'est pour rendre le truc général parce que en fait... Ici, on n'est typiquement pas en train de dire genre j'écris N, j'écris vraiment un caractère différent et en gros, c'est on pourrait écrire d'autres trucs un peu plus complexes. Normalement. Je crois que typiquement, l'Unicode ça se fait aussi avec du backslash pareil. Sauf qu'on va mettre des chiffres derrière, ce qui rend le truc imbitable au possible. Ah d'ailleurs, et qui permet de faire des trucs un peu mini. Le saviez-tu? Tu peux mettre de l'Unicode dans ton code MDF. Je veux même pas le savoir. Non, c'est cool. Voilà, et le saviez-tu, cool, toutes les chaînes de caractères de NLC sont en UTF-8 de base. C'est impressionnant ça. Ouais. Faut encore que je règle le problème de Python qui accepte pas certaines sorties standards en UTF-8. Ah oui. Je crois que ça, j'arriverai pas à le régler.
c'est dans leur libre. Ça a l'air compliqué. Ouais. C'est typiquement le genre de cas où t'as un bug sur une lib et t'es là, tu mens, ce sera résolu dans 6 ans. Je suis niqué. Faudrait que j'arrive à séparer les cartes quand même. Bah ouais, c'est un peu moche. Ouais, on va faire ça bien, tu vois. Si on faisait ça bien. Tac. Ça, ce sera peut-être du coup un vrai debug hein, qui existera. Quoi que tu vas me dire, on doit avoir un peu mieux en termes de debug que ça. D'ailleurs, Ulor, faudra penser à toutes les définitions qu'on donne en live hein, pour notre fameux lexique que nous allons partager. Ah bah, faudrait les noter au fur et à mesure. Yes. Mais t'inquiète, hein, quand on fait la relecture du stream, parce que oui, on revoit les streams, okay. On note les différents mots. Histoire que ce soit un peu plus digeste. Là, faudra peut-être les mettre à un moment donné parce que. On commence à utiliser pas mal de termes. Et c'est pas pour prendre des bains. Tu sors. Qu'est-ce qu'on se marre? Tu sors tellement. Bien voilà, c'était bien. Oh, je suis... Là, on a chargé les. L'ensemble des données, donc déjà on a un truc un peu plus stable pour itérer. Presque l'ensemble des données, ce qui a toujours pas le content des cartes. Et laisser pour exercice pour les viewers. Voilà, exactement. Les viewers feront ça pendant que nous on arrête de travailler. Et on remercie quand même GatGat d'être passé nous filer un coup de main. Carrément. Moi, ça me fait plaisir. Bah non, ça nous fait... Ouais, exact. Ça nous fait extrêmement plaisir de t'avoir et de diviser avec toi. Voilà. En tout cas, là, il nous reste 8 minutes. Donc, il fait partie de l'équipe maintenant. Va falloir le payer. Gaga, on paye des gens en passion. Ouais, grave. Tu veux de la passion, Gaga? La moitié de mes chèques passion, je reçois. Alors, moi, j'aime bien les fruits de la passion, après. Il y a moyen. Déconne, mais j'en ai un à la maison. Ah, bah voilà. Mais fie-toi, hein, j'ai tapé qui est toujours ici après. Parfait. Le Covid. Du coup, après le Covid, on pourra se revoir. On va passer sur une autre fenêtre de view. Voilà. Donc, alors, messieurs, dames, on va finir tranquillement hein, le stream. Déjà, j'aimerais remercier tous les nouveaux follow, donc c'est-à-dire deux. Mais je vous remercie du coup, l'Utopia ou l'Utop1A et du Hood. Je pense vraiment que c'est l'Utopia. Hein. Ouais, je sais, mais c'est pour la petite vanounette. Désolé si jamais c'est énervant, on le refera plus, promis. Incroyable. Promis, on arrête. De toute façon, au bout d'un moment, on n'y arrivera plus. Donc. Ouais, non, mais nous, ça va nous saouler, donc pas d'inquiétude, on dira, je pense, l'Utopia. Il y a alors en tout cas merci beaucoup pour votre attention et Jude, oui effectivement je vous remercie vraiment parce que je sais que pour la majorité d'entre vous c'est peut-être pas hyper digeste ou peut-être pas hyper intuitif ce qu'on vous montre le samedi en ce moment et je vous remercie vraiment de votre attention là-dessus parce que c'est vrai que ça peut être très compliqué, c'est quand même un terrain assez velu pour les gens. Oui, vous êtes à pas mal l'heure que c'est vrai, c'est vrai, mais bon, t'étais là et t'as écouté, donc c'est déjà pas mal. Mais en tout cas, du coup, est-ce que Ulor ou GatGat, vous avez un mot pour la fin? Patate. Merci. GatGat. Okay. Je vais vraiment pas aider. C'est génial. Je pense que les mercredis, on sait pas ce qu'on pourrait faire à la place des. Des ref hunt, on devrait faire des camoulox. Ça, c'est un jeu qui devrait être déterré des mondes d'internet. Écoute, moi je suis d'accord, hein, comme ça m'évitera de streamer les patates drawing. Ah non, tu non, non. Je vois pas le rapport. En tout cas, j'ai chaud. Mercredi, on va. Non, le dessin c'est mercredi. Oui, alors bon, calmez-vous.
Ce mercredi-là, en tout cas, il y a Slay the Spire qu'on va tester. Hein, mais c'est pas Ulor. Ouais, je vais le finir en 30 ans. Non, je déconne, on peut pas le finir en 30 ans. C'est pas possible. Mais en tout cas, donc on va voir qui c'est qui va streamer le Slay the Spire. Si jamais c'est Ulor ou moi, la fenêtre. Je pense peut-être plus toi, parce que toi, tu l'as beaucoup plus saigné que moi. Possible. Surtout que là, si on pourra tester en plus le fait que le micro marche mieux aussi. Oui. Je conseille live parce que là c'était toi donc. Oui, oui. Bah, comme d'hab, mais y a pas de problème. Hein. Tu dis comme d'hab. Tu dis comme d'hab. Dis donc. N'empêche, faire un stream comme ça une fois par semaine, c'est impec. C'est vraiment très digeste du coup. Surtout pour les néophytes comme nous. Effectivement, ça va, merci. C'est pour ça aussi d'ailleurs qu'on les fait pas aussi souvent parce qu'on veut pas non plus trop saouler. C'est vrai qu'on a quand même pas mal plus de problèmes en fait à prévoir pour le mercredi avec Ulor. Car comme on disait, on l'a répété plus souvent je crois dans ce stream, mais c'est vrai qu'on est en train de se demander qu'est-ce qui va se passer après les RF Hunting quoi. On pourra pas faire ça ad vitam aeternam. Oui, nous aussi on espère qu'ils auront fini les travaux, c'est dit. Carrément. Mais ouais non mais voilà donc mais pour l'instant ouais Slay the Spire le prochain mercredi, samedi rebelote, on va pouvoir attaquer tout ça. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, non pas du tout, sur le Discord si jamais vous voulez avoir une notification, si vous voulez avoir une libre accès sur les sur le lexique qu'on va mettre en place, les documents qu'on va mettre en libre service. Il y a aussi... d'ailleurs, Ulor, tu peux balancer le lien vite fait sur le chat, ça serait plaisant de voir ça. Et vous pourrez aussi nous donner des choses comme off-stream, comme des suppositions, par exemple. Ce serait pas mal de tester peut-être ce jeu-là, ça ressemble un peu à ce que vous voulez essayer de faire. Voilà, si vous avez des propositions, allez-y. Ouais, franchement, on est vraiment preneurs. On n'est pas du tout pro. On manque de matière de ouf. Dis donc, Seni, qu'est-ce que c'est que ça? Je te permets pas! Vite, cachez le chat. En tout cas, voilà, bah, c'est tout. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Ça fera 18h pile. Le Linktree. Change rien. Incroyable. En tout cas, voilà. Bon, bah merci beaucoup, messieurs. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Et du coup, on dit à plouche. Ciao! Allez, salut. Tchuss.